Bien, mes chers collègues, si vous voulez prendre place, il est 8h30 passé. Est-ce que nous avons le quorum ? Ça y est, avec les deux qui viennent de rentrer, nous sommes bons. Mais enfin, nous sommes loin de la totalité, c'est quand même un peu embêtant. Ça va ? Bien, ça démarre lentement. Mais... Ah oui, tu peux, donc... Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer cette séance. Je vais demander à Anne-Marie Picard de venir faire l'appel. C'est beau, ça ? Bien. Allez, vous pouvez faire l'appel, Mme Picard. Oui, alors, Damien Baldi. Bon. Bertrand Barrault. Ça va ce matin ? Valérie Bernard. Ouais. Gérard Bettenfeld. Colette Béthune. Claude Boilon. Grégory Bonnet. D'accord. Martine Bonny. Jocelyne Bouquet, Jean-Marc Boyer, Dominique Briat, Nathalie Cardona, Olivier Chambon, Lionel Chauvin, Annie Chevaldonnet, Jean-Luc Coupa, Gérard Courtadon, Elisabeth Crozet, Catherine Cuzin, Jean-Paul Cuzin, Pierrette Dafixré, Caroline Dallet, Pierre Danel, Nadine Déa, Antoine Desforges, Laurent Dumas, Nicole Esbelin, Jeanne Espinas, Manuela Ferreira de Sousa, Stéphanie Fleury-Dutour, Yonel Gay, Dominique Giron, Jocelyne Glace-Legas, Éric Gold. Excusez. Éric Goldberg, je s'exprimais, Jean-Yves Goudbel présent. Présent. Jackie Grand, Émilie Guédois-Vallée, Sylvie Maisonnet, Anne-Marie Maltré, Audrey Manubi, Marie-Anne Marchi, voilà, très bien, Florent Monéron, Lionel Muller, Flavien Levy,
Bertrand Pasquito, présent. Jean-Philippe Perret. Présent. Gilles Pétel. Présent. Anne-Marie Picard, présente, oui. Serge Pichot. Présent. Jean Ponsonneuil. Monique Pouille. Alexandre Pourchon. Présent. Très bien. Valérie Prunier. Clémentine Reynaud. Patrick Reynaud. Pierre Yol. Monique Rougier. Bernard Sauvade. Michel Sauvade. Élise Serin. Éléonore Spessagnac. Tu es présente. Et Bernadette Troquet. Merci. Bien, merci. Merci. Donc, j'ouvre cette session du Conseil départemental. Donc, nous allons commencer par les déclarations préalables et nous embrayerons sur les dossiers. Simplement, nous embrayerons ce matin en commençant par la commission numéro 4, car nous devons nous prononcer sur les contrats territoriaux de développement durable, puisque nous aurons à la mi-journée la signature de ces contrats et après quoi nous reviendrons dans l'ordre normal des commissions. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, et je salue bien sûr tous les internautes qui suivent nos débats en direct sur leur ordinateur, je voudrais tout d'abord vous faire part des principales nominations et distinctions qui sont intervenues récemment dans le département. Tout d'abord, M. Florent Ménégo a été nommé lors de l'Assemblée générale des actionnaires du 17 mai président du groupe Michelin. Présent au sein de la firme depuis 1997, M. Ménégo succède donc à Jean-Dominique Sénard. Nous lui souhaitons plein succès dans sa mission. J'ai eu l'occasion de lui adresser un courrier dans ce sens-là, d'évoquer avec lui par courrier les dossiers que nous avons en commun, car il y a des dossiers en commun, et nous sommes convenus de nous rencontrer prochainement. Comme je vous le disais, M. Ménégo succède à Jean-Dominique Sénard, qui a été président à ce même poste pendant 7 ans, et dont nous aurons l'occasion de revenir sur le parcours lors de cette session, puisque je vous proposerai de lui accorder la médaille d'or du département. Deuxième changement, Fabrice Hainaut, qui était directeur général de l'Office et de Clairdom durant 14 années, a quitté ses fonctions le 30 avril dernier pour prendre la direction générale de l'opérateur national de vente Action Logement, basé à Paris. Son successeur a été recruté. Il s'agit de M. Thierry Houillon, qui prendra ses fonctions le 2 septembre prochain. M. Houillon est un ingénieur urbaniste de formation, âgé de 51 ans. Il est actuellement directeur général Domicia Habitat, office public HLM, rattaché à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. À l'occasion de la promotion de l'ascension, je relève l'élévation au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite de M. Benoît Delaunay, recteur de l'Académie de Clermont, chancelier de l'université, à qui j'ai adressé un mot de félicitations. Dans un autre registre, je voudrais rendre hommage au philosophe, membre de l'Académie française, qui s'est éteint le 1er juin dernier. Je veux parler de Michel Serres. Je rappellerai juste que cet homme tout à fait remarquable, particulièrement brillant, a débuté sa carrière d'enseignant ici même à l'Université de Clermont dans les années 60. Il en est parti à la rentrée 69-70. Et il a laissé un souvenir prégnant. C'est quelqu'un qui a eu récemment, enfin il y a quelques années, lorsque la ville de Clermont avait institué le prix Blaise Pascal, il avait eu le prix Blaise Pascal. Je rappelle que c'était à la fois un mathématicien et un philosophe. Il a commencé sa carrière comme officier de marine et il est devenu, il était normalien de Normal Sup et il est devenu professeur avec des débuts à Clermont. Donc je voudrais, en votre nom à tous, renouveler nos sincères condoléances à sa famille. Et mes pensées s'adressent tout particulièrement à l'un de ses fils, Jean-François Serres, que j'ai reçu ici même, d'ailleurs, le 29 mai dernier, quelques jours avant le décès de son père.
Ceci, c'était pour échanger sur la démarche Mona Lisa, dont il est le référent national. Je voudrais également, évidemment, rendre hommage à Dominique Martini, qui a été président de la Banque Populaire, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Dominique Martini était très investi dans le développement économique. Il avait repris l'entreprise Arion qu'il avait développée. Puis ensuite, il s'est dirigé vers le réseau des banques populaires, où il a exercé des responsabilités à la fois régionales, mais aussi nationales. Vous avez également, je l'ai appris hier soir, évoqué le décès de M. Moïsek Moussaoui, qui est décédé le 5 mai dernier et qui était le remplaçant de notre collègue Gérald Courtaidon. En hommage à ces trois personnes que je viens de citer et qui nous ont quittés, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Alors, avant d'évoquer l'ordre du jour de notre session, en tout cas les principaux dossiers, je voudrais faire brièvement quelques points sur l'actualité qui concerne notre collectivité. Tout d'abord, je voulais vous informer au niveau de l'organisation de l'exécutif du département que j'ai souhaité confier la délégation Habitat et Logement à Bernard Sauvade, actuellement en charge de l'environnement. Je voudrais le remercier d'avoir accepté cette extension du périmètre de sa délégation. Bernard Sauvade connaît bien ce domaine puisqu'il a été à un moment chargé précisément de l'Habitat. Il en avait la responsabilité il y a quelques années. Nous connaissons tous son implication dans la vie de notre collectivité, son sens du travail bien fait, son sens de la rigueur et de la solidarité. Au niveau des services du Conseil départemental, Madame Véronique Martin-Saint-Léon a pris ses fonctions le 1er juin comme directrice générale des solidarités et de l'action sociale. Une direction qu'elle connaît bien puisque j'avais fait appel à elle en 2016 pour piloter les projets de soutien à domicile des personnes vulnérables. Cette inspectrice générale des affaires sociales rejoint donc à nouveau le département après avoir été sous-préfète de Brioude de septembre 2017 à mai 2019. Je suis persuadé que tous les élus et le personnel trouveront en elle une interlocutrice compétente, à l'écoute et sachant être force de proposition. J'en profite d'ailleurs pour remercier Fabrice Ribet qui a assuré avec efficacité l'intérim de la Direction générale des affaires sociales. Fabrice Ribet qui va rejoindre au sein de notre collectivité la direction comme DGA d'un des ensembles qui constituent la partie opérationnelle, si je puis dire, du Conseil départemental. Je voudrais également vous informer du recrutement de M. Pierre Jalle, qui interviendra à compter du 1er juillet, donc la semaine prochaine, en tant que chef de projet, mobilisation territoriale et coordination de la démarche patrimoine mondial. En effet, il s'agit maintenant, je l'ai évoqué hier pour ceux qui étaient là, avec les partenaires économiques et l'interconsulaire, il s'agit maintenant de passer à la vitesse supérieure dans la démarche de valorisation et de rayonnement du bien inscrit au patrimoine mondial.
ceci en direction des plus de moi, mais également à l'échelle nationale et internationale. Monsieur Pierre Jal, que certains d'entre vous connaissent, est âgé de 52 ans. Il est diplômé de l'École supérieure de commerce de Clermont, mais il a également quelques autres diplômes universitaires. A occupé des fonctions de directeur de la communication et du développement, puis de directeur général de Thermauvergne. Et il était jusque-là, dans la dernière période, directeur des opérations dans la société gestionnaire des thermes de Châtel-Guyon. C'est un homme qui connaît bien les acteurs locaux, qui va avoir à créer et animer un réseau justement au service de la valorisation pour notre territoire du site UNESCO. Et je suis évidemment persuadé que ces solides compétences en gestion stratégique, en développement territorial, en marketing territorial seront un atout pour ce poste. Donc j'aurai l'occasion de l'accueillir la semaine prochaine. Il sera logé physiquement et administrativement au sein du cabinet. Évidemment, il sera amené à travailler, ça va de soi, mais je le dis, avec l'ensemble des personnes qui sont mobilisées sur le dossier UNESCO sous la direction du directeur général adjoint Grégoire Michon. Chers collègues, je vous propose d'en venir maintenant à l'ordre du jour de la session qui comporte un certain nombre de dossiers importants et, je crois, en même temps porteurs d'avenir et qui s'inscrivent tout à fait dans la feuille de route politique que nous nous sommes fixés dès le début de ce mandat. Je rappelle, et ceci remonte maintenant à 15 ans, c'est une déclaration que j'avais faite ici même lorsque j'ai été élu, la solidarité des hommes, la solidarité des générations, la solidarité des territoires représente notre marque départementale. C'est notre priorité et nous souhaitons garder ce cap. Nous le savons tous, notre implantation territoriale nous place aux avant-postes pour recréer du lien social qui a tendance parfois à se déliter et que nos concitoyens nous réclament. Il y a cette demande de plus en plus prégnante de proximité. Depuis de nombreuses années, nous assurons avec détermination notre rôle d'amortisseur social en consacrant chaque année près de 60% de notre budget à ce cœur de métier, les solidarités humaines. Et à ce sujet, notre ambition est d'aller toujours plus loin, d'aller toujours de l'avant, dans l'intérêt des plus de moi, notamment des plus fragiles. Mais nous souhaitons aussi progresser pour aller vers plus d'efficacité. On ne peut pas se contenter d'afficher des chiffres importants dans ce domaine. Il faut évidemment que ça aille au-delà de l'effet d'affichage. Il faut que tout ceci se concrétise et soit efficace. Ainsi, au cours de cette session, il vous sera proposé de renforcer notre action quotidienne en faveur des politiques sociales et territoriales qui sont au cœur des compétences du département. Sans rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, je souhaiterais souligner quelques actions particulièrement innovantes et ambitieuses dans deux domaines. Tout d'abord, dans le domaine de la protection de l'enfance, ensuite dans le domaine de la lutte contre l'isolement social. Dans le Puy-de-Dôme, la politique de protection de l'enfance est une mission prioritaire du département et elle doit le rester. J'ai eu récemment, c'était la semaine dernière, un entretien avec M. Tiquet, le secrétaire d'État aux affaires sociales chargé de ce secteur-là, qui va être amené au début de l'été à faire un certain nombre de propositions au niveau national. Et nous pourrions, le département du Puy-de-Dôme, à partir de ces propositions, on aura l'occasion d'y revenir, nous positionner comme département expérimental, puisque des moyens financiers seront mis à disposition des départements qui voudront bien expérimenter et être pilotes en la matière. Je rappelle que plus de 62 millions d'euros sont consacrés cette année à l'accueil et à l'accompagnement des enfants,
Mais au-delà de ce montant conséquent, comme je le disais tout à l'heure, notre ambition est de leur offrir les meilleures conditions d'accueil possibles. Face à un afflux important de mineurs non accompagnés, qu'on appelle les MNA, mais derrière le mot MNA, ce sont des femmes et des hommes. Donc face à cet afflux important dans le Puy-de-Dôme, puisque nous en avons plus de 600 à ce jour, notre système actuel d'évaluation de la minorité et de l'isolement de ces jeunes n'est pas satisfaisant. À titre d'illustration, je vous citerai un seul chiffre, 5 mois. 5 mois, c'est la durée actuelle moyenne d'évaluation. Ça veut dire que c'est parfois plus, parfois moins, mais parfois plus. Ce n'est pas acceptable pour ces jeunes qui ont déjà beaucoup souffert dans leur parcours de vie, et qui ont été très souvent, pour ne pas dire presque toujours, victimes de passeurs sans foi ni loi. Ce mouvement, je crois qu'il faut en être conscient, ne s'arrêtera pas. Il y a un phénomène d'immigration continue qui passera par des solutions qui échappent à notre collectivité, à notre niveau, qui sont des solutions européennes, mais aussi avec une coopération renforcée avec les pays de départ. Car c'est vrai que lorsqu'on peut contribuer à créer des activités sur ces territoires, c'est sûrement la meilleure façon de rendre service à ces populations et à ces pays, plutôt que de favoriser des flux migratoires qui posent problème, d'abord pour les intéressés. Alors, dans l'attente du futur appel à projet départemental qui est prévu à la fin de l'année, à la fin de cette année, fin 2019, et pour faire face à l'urgence de cette situation, il vous sera proposé de mettre en œuvre un dispositif transitoire en partenariat avec l'ANRAS. L'ANRAS, c'est l'Association nationale de recherche et d'action solidaire. C'est une structure reconnue pour son expertise, son savoir-faire, dans beaucoup de départements où elle a mené ces missions-là. Je pense au Tarn, à la Haute-Garonne, Haute-Pyrénées et quelques autres que j'ai plus en mémoire. Et après vérification auprès de mes collègues, présidents de ces départements, il s'avère que le travail qui est réalisé par l'ANRAS est particulièrement efficace, et il aboutit justement à réduire cette période qui est de 5 mois en moyenne chez nous. Alors je voudrais remercier Alexandre Pourchon qui s'est mobilisé sans compter dans cette démarche, et il aura l'occasion d'y revenir. Notre collectivité fait ainsi le choix de garantir à tous les jeunes des conditions identiques d'accueil, de mise à l'abri et d'évaluation dans le respect du cadre légal et réglementaire en vigueur, et avec évidemment un souci d'humanité, car personne n'a le monopole du cœur, comme disait quelqu'un, ou d'humanité. Nous sommes tous soucieux de l'accueil de ces populations. Toujours en matière de protection de l'enfance, un mot sur le centre départemental de l'enfance et de la famille. On rappelle que cette structure a une mission d'accueil d'urgence, d'évaluation et d'orientation des enfants qui sont confiés au département. Et le centre départemental de l'enfance occupe une place centrale et unique dans la politique qui est menée par le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Cet établissement public accueille notamment de très jeunes enfants, jusqu'à 3 ans. Ceci au sein de l'unique pouponnière à caractère social du département. Pour l'avoir récemment visité, comme certains d'entre vous ici, je peux vous assurer que les locaux de cette pouponnière ne correspondent plus du tout à ce que l'on peut attendre en termes d'accueil pour des jeunes enfants. Il est de notre responsabilité d'offrir les meilleures conditions possibles d'accueil pour les enfants et de travail pour les agents qui sont chargés, justement, de les accueillir. Et c'est la raison pour laquelle il vous sera proposé au cours de cette session de soutenir et d'accompagner un projet de restructuration des locaux de la pouponnière porté par le centre départemental de l'enfance et de la famille. Et je laisserai le soin à Alexandre Pourchon de vous présenter plus en détail ces dossiers, aussi bien celui concernant les MNA que celui concernant le centre départemental de l'enfance,
parmi tous les dossiers sociaux. Le deuxième domaine que je souhaite mettre en avant est la volonté du département de renforcer ses actions en matière de lutte contre l'isolement social. C'est un objectif que nous étions fixés au début du mandat, sur lequel nous avons progressé beaucoup et sur lequel il ne faut jamais relâcher, mais bien au contraire, continuer à avancer. Et pour faire face au défi du vieillissement, nous nous sommes volontairement engagés à mener une politique gérontologique favorisant autant que possible le maintien à domicile des personnes vulnérables ou d'une manière générale offrant l'éventail le plus large possible pour les personnes vulnérables, maintien à domicile, EHPAD naturellement, mais aussi structures intermédiaires. Dans ce domaine, plus que jamais, je crois que nous devons savoir faire preuve d'audace et d'innovation pour répondre aux nombreuses attentes des plus de mois. Et c'est dans cet esprit qu'il vous sera proposé au cours de cette session de lancer deux expérimentations grandeur nature, que sont le chéquier culture numérique pour tous les nouveaux, pour tous, et le nouveau pack service senior 63 sur les territoires pilotes à destination de public senior. Je ne reviens pas sur la question de la couverture médicale, nous l'avons évoqué hier avec l'exposé de mon collègue président du département de la Saône-et-Loire, et nous aurons l'occasion d'y revenir pendant cette session. Bref, toutes ces expérimentations ont pour finalité d'apporter des réponses de proximité aux aînés plus de moins, notamment les plus isolés, et de favoriser le bien vieillir chez soi. Chers collègues, au cours de cette session, nous allons aussi être amenés à nous prononcer sur un projet rassembleur et porteur d'avenir pour la jeunesse puydômoise et pour nos territoires. Je veux parler du projet de création dans notre département d'un établissement scolaire international. Je crois qu'il faut avoir de l'ambition pour notre territoire et de l'ambition pour nos jeunes. Depuis plusieurs mois, j'avais évoqué cette question il y a un peu plus de 18 mois. Depuis plusieurs mois, un important travail de diagnostic, et je remercie les élus qui y ont participé activement, a été réalisé de concert avec l'Éducation nationale, qui confirme l'existence sur le département d'une réelle demande pour ce type d'établissement. En effet, l'offre est aujourd'hui assez limitée, avec seulement deux sections de langue anglaise qui sont proposées sur Clermont, l'une dans l'enseignement public, l'autre dans l'enseignement privé. Par ailleurs, si deux villes sur la partie est de notre grande région, je parlais de Lyon et de Grenoble, possèdent des établissements internationaux, il n'en existe pas sur l'ex-région Auvergne. C'est la raison aussi qui nous amène à proposer cette implantation ici même dans le Puy-de-Dôme. Alors, au-delà du potentiel d'élèves qui est donc réel, du fait notamment de la présence de nombreuses familles d'expatriés, nous accorderons la plus grande vigilance à la future implantation de cet établissement qui devra prendre en compte une localisation en agglomération ou à proximité de l'agglomération, un réseau de transport public adapté, une offre d'hébergement type internat et des équipements sportifs qui, évidemment, sont requis dans un tel projet. Enfin, un point d'attention particulier sera porté sur la mixité sociale. Et d'autre part, je tiens à le réaffirmer ici au effort, ce futur établissement est avant tout destiné, bien sûr, aux familles qui sont expatriées, comme je l'ai dit, mais destiné aussi aux familles, aux enfants des familles puydômoises dans leur ensemble. Comme vous pouvez le voir, les bases de ce projet sont posées, mais tout reste ouvert. S'agira-t-il d'une construction ou d'une réhabilitation d'un établissement existant ? Nous ne pourrons pas le dire maintenant. Et dans les prochains jours, nous procéderons au lancement d'un appel à manifestation d'intérêt sur les territoires qui devront se porter candidats pour accueillir cet établissement. C'est un projet ambitieux, fédérateur, avec un soutien fort de l'éducation nationale au niveau local comme au niveau national, des collectivités partenaires également qui se sont prononcées, et bien sûr du monde économique. Je suis persuadé que ce projet mérite d'être soutenu parce qu'il correspond à un besoin réel
de la population parce qu'il est conçu de manière collégiale et intelligente, et enfin parce qu'il entre dans une de nos priorités, en l'occurrence l'éducation de notre jeunesse et la place que nous devons lui accorder. Sur les rapports qui sont présentés, je voulais vous signaler que j'ai décidé, en accord avec la vice-présidente, de retirer le rapport concernant Notre-Dame de Paris. En effet, sur un rapport comme ça, il paraît nécessaire d'avoir un consensus le plus large possible. Les conditions ne paraissant pas réunies, j'ai décidé de le retirer. Chers collègues, comme vous pouvez le voir, une nouvelle fois, par ses compétences et par sa volonté, le département est la collectivité de la solidarité à tous les âges et à toutes les étapes de la vie. Et à cette fin, nous continuons à mobiliser les moyens conséquents pour faire face aux évolutions sociétales et à la complexité croissante des parcours de vie. Mais il n'y a pas de miracle. Si nous pouvons encore aujourd'hui fixer nos priorités dans l'intérêt des territoires et des Puy-de-Moi, c'est grâce à la gestion saine et rigoureuse des finances départementales que nous menons maintenant depuis un certain nombre d'années. Et pour preuve, je voudrais vous donner l'information de la notation qui vient de nous être adressée par l'agence de notation Fitch, qui vient de relever la note du département de A à moins à AA dans le langage des agences de notation, ce qui est évidemment une réelle satisfaction. Et pour illustrer cela, je citerai qu'un seul chiffre, et nous le verrons dans la suite de cette session, qui apparaît dans le compte administratif 2018, 86 millions d'euros, c'est le montant de l'épargne brute qui correspond à la seule ressource pérenne permettant d'assurer un financement sain des investissements et de garantir une indépendance de notre collectivité. Par ailleurs, dans le cadre du budget supplémentaire 2019, qui sera débattu lors de cette session, il est important de souligner que les crédits consacrés aux politiques sociales seront renforcés à hauteur de 1,5 million d'euros. 800 000 euros seront dédiés au financement de projets issus de la conférence des financeurs du Puy-de-Dôme, 190 000 euros en direction de la politique de l'habitat, 480 000 euros en faveur de nos politiques d'insertion, dont notre priorité est évidemment le retour à l'emploi. Et à ce sujet, les derniers chiffres de l'emploi révèlent que le Puy-de-Dôme fait mieux que la moyenne régionale, avec une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 3,9% sur une année, contre seulement 1,1% au niveau régional. Pour autant, nous ne devons pas relâcher les efforts, pas baisser les bras, et c'est pourquoi il vous sera proposé d'engager notre département dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi qui garantit des financements conséquents de l'État. Et pour la première fois, et c'est Laurent Dumas qui porte ce dossier, il vous sera proposé de déployer sur 2019 une enveloppe de 500 000 euros de crédits non reconductibles destinés à accompagner les établissements pour personnes âgées habilitées à l'aide sociale qui rencontrent notamment des difficultés financières ou organisationnelles. Toujours en lien avec le sujet des maisons de retraite, les EHPAD, comme vous le savez, nous allons connaître cette semaine une période de très forte chaleur, ça a commencé. Le niveau 3 alerte canicule a été déclenché par la préfecture du Puy-de-Dôme, situation qui devrait durer à peu près sur la durée de la semaine. Ainsi, sous la coordination de Madame la préfète, toute une série de mesures de gestion, de prévention et de protection des personnes les plus vulnérables est mise en œuvre tout au long de cette période de canicule. Je voulais vous le signaler. En ce qui concerne plus précisément le Conseil départemental, nous assurons notre rôle d'information et de recommandation à tenir durant cet épisode à l'ensemble des établissements médico-sociaux, des maisons de retraite et des crèches. Et je serai peut-être même appelé, alors en interne au niveau du département, à faire des aménagements d'horaires pour les personnels qui risquent de souffrir de la chaleur dans certains bâtiments du département. Par ailleurs, la préfecture mettra en place des réunions régulières de suivi avec l'ensemble des acteurs concernés, le SDIS, l'ARS,
Et les services du département sont d'ores et déjà sensibilisés et pleinement mobilisés pour faire face à cet événement climatique. Je voulais également vous signaler que je me suis rendu à l'Assemblée générale de l'Assemblée des départements de France la semaine dernière, qui était précédée d'un bureau. Au cours de cette réunion, il a été confirmé le principe d'une péréquation financière horizontale entre les départements d'un montant total d'1,6 milliard d'euros à partir des droits de mutation. Et pour le Puy-de-Dôme, cela devrait représenter un gain par rapport à la situation actuelle, qui n'est pas négligeable, de 2,5 millions d'euros, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour les finances départementales. Pour terminer, je souhaite vous informer de notre réflexion en matière d'approvisionnement et de distribution d'eau potable dans le département. Vous le savez, les tensions sur les ressources en eau n'ont jamais été aussi fortes dans nos territoires et dans notre département qui est placé, comme une dizaine d'autres, en vigilance depuis le 22 mai dernier. À titre d'illustration, la retenue d'eau de la SEP, qui est située dans les Combrailles et qui alimente la Morge et donc la Limagne, n'est qu'à 31% de sa capacité, ce qui est évidemment une première depuis 1994, date de la création du barrage. Du côté des nappes souterraines, le constat est identique, leurs niveaux sont globalement très bas en raison d'une faible pluviométrie depuis l'automne dernier. Jusqu'à présent, le Puy-de-Dôme a peu connu cette situation, il l'a connu ponctuellement, mais beaucoup moins, en tout cas pas de manière durable, mais les tendances liées au changement climatique inquiètent de nombreux acteurs de l'eau pour l'avenir. Plus que jamais, la question d'un programme de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable se pose de façon prégnante et face à l'émiettement de la maîtrise d'ouvrage, avec 21 syndicats, une centaine de communes encore indépendantes, le conseil départemental apparaît comme l'interlocuteur légitime et naturel pour se saisir de cette problématique et différents syndicats d'approvisionnement en eau potable nous ont déjà sollicité à ce sujet, notamment je pense à celui de Basse-Limagne, mais ce n'est pas le seul. L'une des pistes pourrait être la création d'un syndicat départemental de l'eau, évidemment qui ne substituerait pas au syndicat existant, mais dont la finalité serait d'assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations d'interconnexion des réseaux d'eau potable. Pour tendre vers cet objectif, je vous propose de lancer dès septembre une démarche de concertation qui associera les représentants des différents groupes de notre Assemblée et l'ensemble des acteurs de l'eau pour que nous puissions, dans le courant de l'année prochaine, faire des propositions dans ce sens-là. Et Bernard Sauvade est chargé de cette question très importante qui lui tient aussi, je le sais, beaucoup à cœur, mais c'est vraiment un sujet très important. L'eau, c'est un bien vital, chacun le sait, c'est un bien stratégique. Les sociétés, dans leur histoire, ont pu se passer de pétrole, jamais d'eau. Il n'y a pas de société humaine ou même animale s'il n'y a pas d'eau, ou végétale s'il n'y a pas d'eau. Donc nous sommes là sur un sujet qui est, encore une fois, stratégique. Donc j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour vous informer de l'état d'avancement de cette démarche. Enfin, pour conclure mon propos, sur une touche plus festive, je vous invite à venir célébrer le premier anniversaire de l'inscription à l'UNESCO de la chaîne des puits Faille de Limagne, qui aura lieu toute la journée du samedi 6 juillet, c'est bientôt. Rendez-vous au pied et au sommet du Puy de Dôme, où de nombreuses animations vous attendent tout au long de la journée du 6 juillet. Je vous rappelle également que hier soir, nous avons eu une réunion, certains d'entre vous ont pu y venir, avec les différents organismes à caractère économique, l'interconsulaire, pour lancer une démarche professionnelle à propos de l'inscription au patrimoine mondial pour, je dirais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tirer le meilleur parti de cette inscription, de cette distinction en matière de développement touristique et économique. Sur le plan sportif, je voudrais féliciter l'équipe de rugby d'Issoire qui a brillamment remporté le titre de France, champion de France de Fédéral 2, en battant l'équipe de Rumilly.
sur le score de 32 à 30. J'ai suivi une partie du match, c'est vrai qu'il y avait du suspense. C'est évidemment un événement historique pour ce club qui évoluait encore en division d'honneur en 2014. L'année prochaine, les rugbymen d'histoire découvriront le championnat de fédéral 1. Je voudrais également en profiter pour féliciter l'ASM Clermont-Auvergne qui, malgré sa défaite à la finale du top 14 face au Stade Toulousain, a réalisé une très belle saison en remportant le challenge européen. Donc nous souhaitons évidemment que ces porteurs d'une belle image de notre département poursuivent leur chemin. Bref, vous le voyez, mes chers collègues, notre collectivité travaille sans relâche. Et je remercie les élus et les services. J'en profite d'ailleurs pour dire que je suis très fier, je leur ai dit l'autre jour, lors de la conférence d'encadrement, je suis très fier de nos services qui sont particulièrement performants. Maintenant, j'ai un peu d'ancienneté dans le métier. Je compare un peu ce qui se passe dans d'autres collectivités ou d'autres départements. Je dois dire que nous sommes quand même sur un niveau de performance qui mérite d'être souligné. Et merci à l'ensemble des personnels. Nous avançons pour relever les grands défis. J'en ai évoqué quelques-uns. Le vieillissement, la dépendance, l'eau, le développement économique. Nous agissons sur le terrain, loin des cénacles politiques et des derniers salons où l'on cause, parce que notre façon de travailler, c'est plus de faire que de dire. Merci de votre attention. Alors, maintenant, la parole est aux représentants des différents groupes de cette Assemblée, et je donne la parole à Jean-Marc Boyer. Monsieur le Président, mes chers collègues, notre Assemblée a approuvé le contrat financier avec l'État pour 2018-2020 lors de la session de juin 2018. Selon une publication récente de l'Observatoire national de l'action sociale, la dépense nette d'action sociale départementale affiche une augmentation au niveau national de 1,3% en 2018. Le poids des dépenses obligatoires, notamment celles des allocations individuelles de solidarité, ont progressé de 2%. Pour le Puy-de-Dôme, on peut noter une augmentation qui s'élève à 3,1% pour ces mêmes allocations entre 2017 et 2018, soit près de 5 millions d'euros supplémentaires. Dans le rapport sur le compte administratif, page 41, vous soulignez que les charges de fonctionnement ont été contenues, comme en atteste d'ailleurs le quitus donné par l'État concernant le respect du contrat financier en 2018 par la collectivité départementale. Il est précisé dans le contrat que le préfet et la collectivité s'engagent à se réunir deux fois par an pour suivre les objectifs du contrat. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, comment se sont déroulées concrètement ces rencontres ? Dans sa déclaration de politique générale en date du 12 juin, le Premier ministre entend mettre en œuvre un nouvel acte de décentralisation et une refonte de la fiscalité locale. Ces deux politiques territoriales intéressent toutes les collectivités et en particulier les départements. Pour ce qui est de la décentralisation, il semble que les orientations politiques prises par l'État ne suivent pas cette tendance. Une note réalisée par l'ADF, intitulée « Pour un bloc médico-social renforcé à la main des conseils départementaux », fait plusieurs constats dans le domaine social. Le social n'a jamais fait autant l'objet d'incertitudes avec le financement des allocations de solidarité, la prise en charge des mineurs non accompagnés, le déséquilibre entre l'engagement de l'État et les contraintes imposées, une recentralisation dans différents domaines, comme sur la petite enfance, la prise de compétences par les caisses d'allocations familiales dans le domaine de la famille et de l'enfance, la création d'un nouveau revenu unique d'activité, le RUA, de gestion étatique, la question du grand âge, de l'autonomie et de la dépendance, encore en suspens malgré l'urgence. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse, Monsieur le Président. Je trouve vraiment dommage que le projet de financement de l'EHPAD d'Orion provoque autant d'opposition de la part des syndicats et de certains élus. Le financement public-privé, initié par la commune et nos collègues conseillers départementaux, semble une solution raisonnable et efficace. Et que je précise, financement privé à but non lucratif. Il est bien dommage que des intérêts politiciens locaux pénalisent et retardent ce projet, car c'est les familles,
les pensionnaires et le personnel soignant qui en vivent les conséquences en termes d'insécurité, parce que je voudrais préciser qu'il y a quand même un gros problème d'insécurité au niveau des Pattes d'Orion, et en termes d'indignité d'accueil des pensionnaires. C'est vraiment navrant. Je ferme la parenthèse. Oui, mais Monsieur Boyer, je répondrai. Oui. Adressez-vous à ceux qui ont la responsabilité de cette affaire. Mais Monsieur le Président, j'aurai l'occasion de vous dire ce que nous avons fait. Si je peux continuer, Monsieur le Président, il y a une responsabilité aussi, s'il y a un financement au niveau du département. Donc, attendez, je me permets. Je vous répondrai tout à l'heure parce que. Oui, d'accord. Mais je me permets quand même. Il faudrait vous renseigner. Mais je me suis très bien renseigné, Monsieur le Président. Je pense que quand même, il est important de le dire. Et si on ne le dit pas ici dans cette assemblée, où est-ce qu'on va le dire? Comme je pensais que vous alliez en parler. Alors. J'ai pas fait allusion. Face à l'ensemble de ces constats, je ferme cette parenthèse, l'ADF élabore différentes propositions que je ne détaille pas ici, mais qui vont dans le sens d'une plus grande décentralisation pour les départements au regard des missions exercées dans le domaine social, tout en clarifiant les compétences avec l'État. Et gageons que le gouvernement ne restera pas sourd face aux solutions du bon sens émises par l'ADF. Pour ce qui est de la refonte de la fiscalité locale, cette réforme est très attendue par les élus locaux. Mais la direction prise par le gouvernement est-elle la bonne? Permettez-moi d'en douter. La taxe d'habitation va être supprimée avec une compensation à l'euro près des collectivités. Jusqu'à quand? Par des ressources a priori dynamiques. De cette suppression en découle la redescente de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties vers les communes. L'affectation d'une fraction d'une imposition nationale, a priori la TVA, au profit des départements comme compensation, ne fera que remettre en cause leur autonomie fiscale déjà bien réduite. De quels leviers fiscaux disposeront-ils alors pour avoir les moyens d'exercer leurs compétences? Aucun. La réforme de la fiscalité locale envisagée ne simplifie rien et va complexifier un peu plus l'exercice des compétences des départements et les marges de manœuvre des communes. La mobilité et les transports concernent notre département et conditionnent son développement économique. La politique ferroviaire présentée par le gouvernement est décevante, car investir 800 millions d'euros pour gagner 11 minutes d'ici 2025 est insuffisant pour désenclaver le Puy-de-Dôme et l'Auvergne. Il faut un véritable plan Marshall de la mobilité, dont la ministre des Transports ne veut pas, conformément aux souhaits du président de la République. La politique aérienne doit se développer en liaison avec Air France et EOP pour faciliter les échanges commerciaux et économiques du département. Je pense en particulier à l'association Objectif Capital, qui fait un travail remarquable et qui rassemble les grandes entreprises Michelin, Limagrain, TA. Nous pouvons être inquiets. Le département. Nous pouvons être inquiets de certains lobbies écologistes, soi-disant sauveurs de la planète, qui veulent supprimer les lignes aériennes intérieures sous prétexte de pollution et de destruction de la couche d'ozone. Monsieur le Président, notre collectivité traite de nombreux sujets, tels qu'illustrés par le rapport d'activité 2018, rapport dont je tiens à saluer la qualité de réalisation et qui est une mine d'informations. Par ailleurs, je retiens trois chiffres à la lecture du compte administratif 2018. Entre 2017 et 2018, les charges courantes de fonctionnement augmentent de 10 millions d'euros. Les aides sociales et d'insertion augmentent de 10 millions d'euros. Les investissements hors dette baissent de 10 millions d'euros. Cette trajectoire politique financière est très inquiétante. Autre sujet préoccupant, la mise en œuvre d'un dispositif pour la mise en abri et l'évaluation des mineurs non accompagnés. Une procédure d'appel à projet a été engagée et devrait aboutir à la fin de l'année pour externaliser cette mission d'accueil, de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des jeunes demandeurs du statut de MNA. De manière transitoire, vous souhaitez confier ces missions à l'Association nationale de recherche et d'action sociale. Le délai d'évaluation varie entre 5 et 21 jours par la dite association, alors que cette même évaluation représente un délai moyen de 5 mois par les services de l'ASE. Monsieur le Président, quelles sont les raisons qui expliquent une telle différence dans le temps quant à l'évaluation des MNA? Il semblerait que l'ANRAS exerce des actions similaires dans d'autres départements. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Dès mars 2018, nous attirions votre attention dans la tribune politique du magazine départemental sur la présence médicale qui se raréfie sur notre département. Peu de temps après, d'ailleurs, vous confiez une mission à votre vice-président pour établir un diagnostic de la situation dans le Puy-de-Dôme
et nous avons eu hier un exposé très intéressant. C'est un sujet d'importance capitale puisque les départements sont des acteurs de la lutte contre la désertification médicale lorsqu'ils exercent leurs compétences, protection maternelle et infantile, maintien à domicile des personnes âgées, financement du SDIS, qui sont souvent chargés des premiers soins et de fait des transports vers les hôpitaux. Notre collectivité est celle des solidarités. Étudions comment nous pouvons contribuer à l'égal accès aux soins pour tous sur le territoire, en ayant conscience que nos marges d'action sont limitées en matière de santé. Pour conclure, voilà presque déjà un an que le haut lieu tectonique de la chaîne des Puifs et de Limaille a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale fera l'objet le 6 juillet, vous l'avez dit tout à l'heure, des diverses animations au pied et au sommet du Puy-de-Dôme. Monsieur le Président, au bout de cette année qui vient de s'écouler, quel bilan tirez-vous de cette inscription? Mais à mon sens, les ambassadeurs ne résoudront pas les difficultés de conciliation des usages, en particulier pour les agriculteurs et les moutonniers, dont nous avons encore été alertés la semaine dernière. À la même époque, l'an passé, j'évoquais le thème de la réduction de la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 sur les routes nationales et départementales. Vous doutez bien que je ne pouvais pas faire cette intervention sans vous en parler, Monsieur le Président. Je me félicite de la marche arrière du Premier ministre. Aujourd'hui, un assouplissement de cette mesure a été adopté mardi dernier par l'Assemblée nationale en laissant au président des conseils départementaux la responsabilité de relever la vitesse maximale autorisée sur les routes dont ils ont la gestion. Cette décentralisation de la décision au niveau local est une bonne mesure afin que la vitesse soit adaptée à la réalité des territoires. Nous sommes responsables et nous souhaitons bien sûr, comme chacun d'entre nous, la diminution du nombre de morts et de blessés sur les routes. Les autres départements de l'Auvergne et limitrophes, dont la Creuse, la Loire, l'Ardèche, etc., ont déjà travaillé et préparé un réseau routier où la vitesse sera réajustée intelligemment. Aussi, Monsieur le Président, je sais que vous avez souhaité prendre votre temps. Pouvez-vous nous faire partager quelles sont les décisions qui vont être prises en la matière pour notre département? Je vous remercie. Monsieur Boyer, je ne veux pas répondre. Surtout parce qu'il y a des choses qui reviendront dans le fil de débat. Simplement, deux, trois remarques. La première, très ponctuelle, qui concerne les pattes d'Orion. Dans cette affaire, nous avons joué coup de serré, le maire d'Orion, les conseillers départementaux d'Orion et le conseil départemental, notre collègue Laurent Dumas et moi-même. Nous savions, ce n'est pas la peine d'être grand clair pour cela, que l'hôpital public n'avait pas les moyens financiers de se lancer dans cette opération. Ceci a été confirmé par Bercy, et j'ai eu l'occasion de voir Agnès Buzyn à plusieurs reprises là-dessus, qui, effectivement, l'a confirmé. Nous avons donc essayé de faire preuve d'imagination, tous ensemble, les jours que les collègues que j'ai cités tout à l'heure, et nous avons trouvé une solution de financement, un partenariat avec la mutualité. On a crié au loup ou à la privatisation que je cherche le mouvement mutualiste. Tout le monde en fait partie, tout le monde le soutient dans ses assemblées. C'est un mouvement qui s'inspire de valeurs de solidarité. Donc nous avons été critiqués là-dessus en disant privatisation. C'est faux, il faut quand même rappeler ce que c'est la mutualité, qui n'a d'ailleurs pas sa première expérience dans ce domaine. Le dossier est soutenu par l'ARS, a le soutien des partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Il est donc important que nous puissions continuer dans cette voie. Je ne suis pas sûr que la réalité n'ait pas été déformée en direction des organisations syndicales, en direction des familles, etc. Aujourd'hui, je le dis clairement, s'il n'y a pas de partenaire financier du style de celui que nous avons trouvé, je ne vois pas quelle issue il y aura pour les pattes d'Orion. Et nous irons, compte tenu des conditions de fonctionnement, d'accueil, de confort, de sécurité, vers une fermeture. Je crois que c'est ça. À aujourd'hui, que ceux qui s'émeuvent de cette question ou en font un enjeu politique local se calment parce qu'ils pourraient retrouver les familles devant leurs portes.
Donc moi, je continue à soutenir l'action du président du conseil de surveillance, d'avoir le maire d'Orion, qui, avec l'ARS, avec les autorités sanitaires, avec nos collègues élus, est sur ce montage possible. Je crains qu'on finisse par décourager la mutualité, mais c'est peut-être le but recherché. Voilà, je voulais vous répondre là-dessus. Autre point sur lequel je vous apporter une précision, nous avons eu, j'y ai fait allusion tout à l'heure, l'Assemblée générale de l'ADF, et nous avions un bureau qui précédait l'Assemblée générale de l'ADF, au cours duquel il a été fait état d'une rencontre avec plusieurs ministres qui s'est tenue à Bercy la semaine dernière, une réunion présidée par M. Darmanin, le ministre des Comptes publics, sur un certain nombre de points concernant les finances des départements, la fiscalité future des départements et également des points sur la consultation qu'engage le gouvernement actuellement pour une nouvelle phase de décentralisation et la modification des irritants, comme on dit, de la loi NOTRe. Je voudrais simplement vous dire que les deux représentants des deux groupes politiques que compose l'ADF, M. Sauvadet, que vous connaissez bien, pour le groupe de droite et du centre, et M. Viola, pour le groupe socialiste et de gauche, se sont félicités, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai entendu, du dialogue qui s'est instauré avec le gouvernement sur les différents points que vous évoquez. Non, mais attendez, c'est pas l'ambiance qu'il y avait il y a un an au moment du contrat. Alors, moi, je vous dis, M. Viola, socialiste, M. Sauvadet, on ne peut pas les soupçonner les uns et les autres d'être... Vous pouvez me laisser parler ? Hein ? Merci. D'être, comment dire, complaisant vis-à-vis du gouvernement. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous puissions avancer dans ce domaine-là. Sur le pacte financier, vous avez fait allusion, nous rencontrons effectivement régulièrement la préfète et le directeur des finances publiques. Nous sommes, si j'ose dire, dans les clous, même bien dans les clous. Et je vous signale, mais vous qui êtes parlementaire, vous devez le savoir aussi bien que moi, que la Cour des comptes vient de publier un document qui montre que, finalement, les collectivités locales, dans leur ensemble, sont dans les clous du pacte financier. Je vous renvoie à cette publication que vous trouverez aisément dans votre courrier, j'imagine, comme sénateur ou au Sénat. Voilà les quelques précisions. J'espère avoir répondu à peu près... Ah si, sur les transports. Alors, là, il faut quand même faire un mea culpa collectif. Je ne dis pas le conseil départemental, parce qu'il n'est pas en cause, mais toutes les formations politiques, sans exception. Depuis qu'il y a eu l'électrification de la ligne Clermont-Paris, inaugurée dans les années 80 par le président Mitterrand, rien ne s'est fait sur cette ligne. On a amusé la galerie en disant qu'on aurait le TGV. Et combien sont tombés dans le panneau ? Pendant qu'on s'est amusé la galerie en disant qu'on aurait le TGV, on a continué à rien faire. Or, on savait bien que même si on avait le TGV un jour, ça ne serait pas demain. Donc aujourd'hui, il y a un retard considérable à rattraper, à la fois sur l'infrastructure, mais vous le savez, et sur les matériels roulants. Il y a des choses qui ont été réglées depuis la fin de l'année. C'est les problèmes d'accès à Internet, etc., à tous les réseaux de communication. Mais là, il y a un plan qui est considérable, alors qui fait effectivement des sommes colossales ramenées à la minute de gains de temps de parcours. Ça, c'est clair. Moi, je crois qu'il ne faut pas rêver, on ne va pas avoir des gains de parcours extraordinaires. Il faut qu'on ait des trains qui arrivent à l'heure, qui roulent de manière la plus... Enfin, qui fonctionnent de manière la plus confortable possible. Il faut avoir des ambitions réalistes. Et aujourd'hui, il y a deux lignes qui sont concernées, enfin principalement deux. Il y a Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont. Et il faut veiller, mais ça, je crois que nous veillons tous, hein, à ce que la ligne qui nous concerne ne soit évidemment pas négligée dans les discussions et dans les négociations qu'il va y avoir. Vous saluez effectivement l'action d'Objectif Capital. J'ai participé à sa création. C'est Patrick Wolf qui en est président. Elle fait un travail tout à fait remarquable. Et je crois qu'il y a une prochaine rencontre qui est prévue avec le cabinet de la ministre des Transports. Voilà l'information que je voulais vous donner. Et je donne la parole à M. Gay.
Ah, pardon, excusez-moi. 80 km/h. Je pensais bien qu'on allait élever le débat. Donc, 80 km/h, moi, ce n'est pas mon fonds de commerce. Moi, j'ai une priorité. Je répète ce que j'ai dit dans la presse. J'ai une priorité absolue, c'est la sécurité. J'espère bien. C'est la sécurité sur la route pour les automobilistes, les cyclistes, les motocyclistes, les piétons, tous les usagers de la route. Quand je regarde aujourd'hui le bilan des accidents de la route dans le département du Puy-de-Dôme, il est catastrophique. Il est catastrophique. Alors après, vous me direz quelles en sont les causes, est-ce que c'est des comportements, est-ce que etc. Moi, sur l'affaire de 80 km/h ou du retour aux 90, etc., je souhaite prendre mon temps. Ce n'est pas la veille des vacances que je vais faire appuyer sur l'accélérateur. Non. Ce n'est pas la veille des vacances que je vais faire appuyer sur l'accélérateur. Et si je dois apporter des modifications aux vitesses maximum autorisées sur le réseau routier départemental, je ferai cela en concertation avec la préfète, le prince, qui a la responsabilité de la sécurité, en faisant instruire ce dossier avec la participation de la police, de la gendarmerie et du SDIS, mais aussi des maires qui sont les riverains ou avoisinants ces axes de circulation. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut gagner 10 minutes sur un trajet pour mettre en péril sa propre vie ou la vie des autres. Alors, il y a peut-être des axes qui peuvent être remis à 90 km/h, mais il y en a combien qui devraient être mis à moins de 80 km/h dans un département comme le nôtre? Alors, vous savez, c'était un fonds de commerce pour un certain nombre d'élus. Si, attendez. Non, ça, attendez. Non, mais il faudrait que votre esprit monte à la chambre. Non, mais, monsieur Boyer, des fois, votre esprit ne monte pas à la chambre haute. Hein. Donc, il faudrait peut-être. Je comprends que ce soit plus au ras du sol hein, pour la vitesse, c'est normal. Mais je voulais vous dire que dans cette affaire, je serai intraitable. Je mettrai la priorité à la sécurité avant tout. Voilà, monsieur Gay. Merci, monsieur le président. En préambule à ce discours, permettez-moi d'adresser toutes mes félicitations à ma binôme Lisa Crozet pour la naissance de sa fille Constance. Pardon, félicitations, je ne le savais pas. Citoyennes, citoyens, mes chers collègues, alors ça y est, nous y voilà. Le nouveau monde, ce serait ça, une perspective durable d'une société déchirée entre trois catégories de population. Première catégorie, les nantis, les premiers de cordée, les 10% les plus fortunés possédant la moitié de la richesse du pays. Deuxième catégorie, les classes moyennes, assumant une part de solidarité importante et dont les aspirations ne seraient que de conforter, voire protéger leur maigre statut. Et enfin, troisième catégorie, les plus nombreux, les pauvres, les démunis, les laissés pour compte, ceux qui coûteraient un pognon de dingue, ceux qui ne sont rien. Ceux qui n'ont qu'à travailler pour se payer un costard ou traverser la route pour trouver un travail, comme les qualifie notre président de la République. Alors vraiment, nous y sommes ? Les élections ne concerneraient plus en France que la moitié des inscrits, dont la seule alternative serait le vote utile et le grand duel face à l'épouvantail que représente l'extrême droite. Et ce, alors même qu'Emmanuel Macron et les politiques libérales qu'il mène avec son gouvernement sont des carburants pour l'extrême droite. Le nouveau monde, celui du « en même temps », celui du « ni droite ni gauche », aurait donc éclipsé toute opposition classique, validant par là même la pensée et le modèle unique d'une société libérale où la liberté des marchés, la recherche de la compétitivité par exploitation des humains et des ressources et la consommation indécente seraient les dogmes à suivre si vous ne voulez pas être qualifié de dangereux populiste. Comment croire à cette fable de ceux qui s'autodésignent modernes? À cette théorie de Saoul Chaos, de cette allégorie de l'omniprésident portant l'atlas sur ses épaules et pour qui le temps rendra hommage. Le président de la République et ses mercenaires, ni de gauche ni de gauche, construisent l'illusion qu'un seul chemin est possible. Faisant fi des résultats désastreux du libéralisme depuis des décennies, de la souffrance des citoyens, occultant le bouleversement écologique et la sixième extinction de masse en cours,
Nos dirigeants accélèrent la mise en marché de l'économie, les atteintes aux droits du travail, la stigmatisation des chômeurs, la mise en œuvre de traités d'un commerce inéquitable et destructeur des écosystèmes. Quelle est donc cette période désenchantée, où l'espoir semble mort et où chaque appel au secours de la démocratie se voit méprisé par un pouvoir devenu sourd aux cris de son peuple? Les lanceurs d'alerte sont poursuivis par la justice. Les manifestants sont violentés et traînés devant les juges. Les chômeurs sont quant à eux écharpés en place publique. Les fonctionnaires sont dénigrés. Les soignants sont en urgence vitale. Les collectivités sont sous tutelle. Les services publics attaqués de toutes parts, soit par privatisation quand ils sont profitables, soit désossés sinon, etc. La politique de ce gouvernement est une ode au libéralisme et organise la casse de notre modèle social hérité du Conseil national de la Résistance, que les luttes successives ont achevé de peaufiner. Devant ce constat, devons-nous, nous aussi, nous résigner et cesser de nous indigner? Faire de la politique est devenu un gros mot, tant et si bien que pour maintenir le système actuel en place, on entend ici, et surtout là, qu'ici on gère bien, sans faire de politique et dans le seul intérêt des Puy-de-Dôme. Comme si l'intérêt des Puy-de-Dôme était de voir les compétences des collectivités réduites ou amputées de moyens. Comme si l'intérêt des Puy-de-Dôme était de voir les services de l'action sociale en situation de stress, en tension permanente et gestion de pénurie. Comme si l'intérêt des Puy-de-Dôme était de cacher les effets de la rigueur organisée par l'État par quelques projets hauts en couleur. En arbre qui cache la forêt, le classement UNESCO, le Collège international, le projet Morné de collecte pour la cathédrale de Paris, masque combien de renoncements, de frilosités sociales et de situations de manque de moyens pour nos services et les bénéficiaires des politiques du département. Oui, l'agression subie par les collectivités au plus proche des citoyens est une nouvelle phase de reconquête des libéraux. Comme par le passé, nous devons la dénoncer afin d'informer nos concitoyens sur la société qu'elle prépare. La situation politique de ce département doit finir sa clarification. Notre Assemblée doit se déterminer par rapport à cette recentralisation certaine, face à cette rigueur subie, contre la disparition programmée de cette collectivité de solidarité et d'équilibre de la société qu'est le département. En ce sens, nous accueillons avec bienveillance, il y a quelques semaines, la décision des socialistes de créer un groupe autonome. Et nous nous réjouissons de construire avec Valérie Bernard et Gérald Courtadon, qui nous ont rejoints, une nouvelle page de notre groupe La Gauche 63. Ainsi, nous appelons celles et ceux qui croient à la gauche et s'en revendiquent à bâtir ce nouveau projet social, solidaire et écologique et construire une nouvelle majorité. Ce projet, conforme aux engagements pris devant nos électeurs, doit faire face à la pensée unique et offrir les bases de résistance par l'exemple nécessaire à la contestation aujourd'hui étouffée du peuple et des citoyens progressistes. Je vous remercie de votre attention. Bien. Merci pour ce discours de politique départementale qui souhaite intervenir. Gilles Pétel. Je t'emmerde. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs. Les dernières semaines nous ont apporté un résultat électoral pour le moins inquiétant. Le scrutin européen a vu non seulement une mobilisation très modérée des électeurs, mais surtout une progression inquiétante de l'extrême droite. On peut bien entendu relativiser ce résultat par la participation modeste et du fait que l'échéance européenne est malheureusement très souvent favorable à l'extrême droite. Il n'empêche que l'on peut aussi considérer cette tendance comme s'inscrivant dans une montée générale des extrémismes de droite, tant en Europe que dans le monde. Nous l'avons toujours soutenu, la pseudo-atomisation des clivages classiques est un élément significatif de cet état de fait. Il est de notre devoir et de notre responsabilité d'y prendre garde et de mener une politique claire. Autre enseignement de ce scrutin, le courant gouvernemental français se déclarant ouvertement libéral à cette occasion se place en deuxième position. D'une manière étonnante, ce résultat semble être vécu par les tenants du pouvoir comme une réussite, voire comme un plébiscite de la part des Français.
Peut-on raisonnablement penser que d'obtenir le soutien d'à peine 11% de l'ensemble des électeurs est une victoire? Au contraire, nous avons le sentiment que la feuille de route gouvernementale n'est pas à la hauteur des espérances et des attentes de la population. Coïncidence ou hasard des calendriers, le gouvernement français présentait après l'acte 2 de son quinquennat, peu après, annoncé comme plus social, plus environnemental, et répondant aux mécontentements visibles et audibles des Français. Sans faire une exégèse de cet acte 2, nous pouvons retenir à titre d'exemple les orientations prises en matière de retraite et de traitement des personnes privées d'emploi. Les demandeurs d'emploi verront en effet les conditions d'accès à l'indemnisation se durcir considérablement. L'effet mécanique sera bien sûr une diminution du nombre des demandeurs d'emploi, mais conduisant sans nul doute à une précarisation accrue des personnes en situation difficile, les chômeurs peu qualifiés, les parents isolés, ou les personnes ayant des difficultés de mobilité seront très probablement très impactées. Les futurs retraités, quant à eux, bien qu'ayant cotisé pendant toute leur carrière en vue de leur cessation d'activité, vont se voir imposer un âge pivot de départ, en deçà duquel leurs droits à pension seront diminués. Qu'à cela ne tienne, il suffira de travailler quelques années de plus pour retrouver une pension moins austère. Mais est-ce bien pertinent de demander à des salariés, déjà mis à mal par des dégradations constantes et croissantes de leurs conditions de travail, un tel effort? D'autant qu'on aspire, dans le même temps, à diminuer le nombre des demandeurs d'emploi. On pourrait, dans cette enceinte, objecter que tout ceci n'est pas du ressort des collectivités territoriales en général, ni du département en particulier. Nous ne le croyons pas. Chacun d'entre nous sait, d'expérience, que les sujets sociaux sont prégnants pour les départements. Chacun d'entre nous connaît les moyens financiers considérables qui doivent être mis en œuvre pour soutenir les populations fragiles. Chacun d'entre nous est conscient des difficultés des personnes devant le vieillissement et les moyens qui doivent être mobilisés pour leur maintien à domicile ou leur accueil dans des structures adéquates. Le département y consacre déjà près de 45% de son budget, et ce, malgré des compensations de l'État bien incomplètes et une limitation imposée d'augmentation de ses dépenses. Si l'acte 2 du quinquennat vise effectivement au désendettement de l'État, il est à craindre que celui-ci passe par une précarisation accrue d'une partie de la population et entraîne, de manière quasi automatique, un accroissement de l'effort départemental en leur faveur. Bien entendu, nous ne nous déroberons pas de notre mission. Mais nous contestons une participation déraisonnable et indirectement imposée par des mesures gouvernementales dont, par ailleurs, nous pouvons douter de l'efficacité. Le danger d'un choix contraint entre les différentes solidarités qui nous sont chères se profile. Faudra-t-il choisir un jour entre la solidarité humaine et la solidarité territoriale, alors que cette dernière est tout aussi essentielle à l'équité et au bien-être des citoyens? Les élus locaux que nous sommes y sont attentifs. Longtemps ignorés, voire méprisés par le pouvoir en place, ils semblent bénéficier de sa part, au moins temporairement, d'un regain de considération. Doit-on y voir un effet d'anticipation des prochaines échéances qui se profilent? Ou encore un moyen de faire accepter des efforts supplémentaires qui ne manqueront pas de peser sur les collectivités et les communes? La décentralisation, chère aux Français, pourrait très bien se voir malmenée, diminuant la prise en compte des spécificités et des besoins des territoires. Il nous faut prendre garde aux sirènes du pouvoir, de crainte qu'elles ne deviennent que l'illusion de l'action locale. Je vous remercie. Bien, merci. Alors, je donne la parole à Serge Pichot. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, nous nous retrouvons en session quelques semaines après les dernières élections européennes qui, pour la deuxième fois, ont placé le Front National, devenu le Rassemblement National, en tête dans notre pays.
Si nous pouvons quelque peu nous rassurer que le Puy-de-Dôme soit moins touché que d'autres départements par cette poussée, la progression en voie et le grignotage de bon nombre de nos territoires, qu'il s'agisse des territoires ruraux, des quartiers défavorisés de la métropole clermontoise, dont je suis par ailleurs l'un des élus, cette progression et ce grignotage ne peuvent qu'alarmer les élus républicains que nous sommes tous ici. Sur ces territoires, ce vote se nourrit de nombreuses peurs, mais surtout du sentiment de déclassement, notamment provoqué par des services publics dégradés ou trop éloignés de leurs usagers, et ce alors même que c'est justement sur ces territoires qu'ils seraient les plus utiles. Face à cela, notre session fera une nouvelle fois la démonstration que notre collectivité agit pour plus de solidarité et pour davantage de proximité pour nos concitoyens et les territoires qu'ils habitent. Ces territoires urbains, périurbains et ruraux, dont ils sont la force et la richesse. Il nous appartient, chers collègues, de nous rassembler autour de cette vision du département comme collectivité de proximité au service du développement du lien social et des équilibres entre nos territoires. Une collectivité qui lutte contre le sentiment d'abandon et s'attache à être au quotidien au plus près de tous ses habitants. En termes d'action sociale, notre session est en effet marquée par un effort d'1,5 million d'euros destiné à améliorer notamment les conditions de vie des Puy-de-Dômoises et Puy-de-Dômois les plus vulnérables. Dans ce domaine, je souhaiterais évoquer plusieurs enjeux auxquels notre Assemblée va apporter, je l'espère, d'importantes avancées pour nos concitoyens de tous âges. Notre collectivité, chef de file en matière de solidarité, va ainsi renforcer son action en matière de protection de l'enfance. Face aux fortes vagues migratoires que nous connaissons depuis plusieurs années et leurs conséquences, le département assume en effet pleinement son devoir de protéger les mineurs non accompagnés. Notre volonté est de sécuriser le parcours de ces migrants mineurs. Et je salue la mobilisation de notre premier vice-président et de nos partenaires qui, au travers de l'activation du dispositif ENRAS, ont pour seule ambition de rendre cet accueil plus digne et plus efficient. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et nous prenons les nôtres avec un engagement sans précédent, illustré par la multiplication par 3 de notre budget, qui est passé de 3 à 9 millions d'euros et qui a permis ainsi de répondre aux défis de l'urgence des situations. Par ailleurs, et dans un souci d'apporter des réponses aux difficultés de toutes les générations, nous ne pouvons que nous féliciter également du 500 000 d'euros prévu à destination des EHPAD habilités à l'aide sociale et aussi de la mise en place de 2 nouveaux services. D'une part, le nouveau PAX Service Senior 63, développé en partenariat avec La Poste et pour lequel nous sommes territoire pilote. Et d'autre part, l'arrivée du chéquier Culture Numérique pour tous, qui permettra aux personnes de plus de 60 ans, dont beaucoup sont souvent très éloignées des pratiques informatiques dans leur quotidien, de régler plus simplement les prestations de services numériques. Ces 2 nouveaux services que nous porterons fièrement lors de cette session sont autant d'avancées pour lutter contre la fracture numérique et l'isolement dont souffrent nombre de nos aînés. Toujours sur le plan des solidarités, je voudrais revenir sur le problème de la désertification médicale, évoqué hier en début de session, et qui représente un enjeu majeur afin que grand nombre de nos concitoyens ne se sentent pas délaissés. L'apparition et la multiplication des déserts médicaux, en milieu rural comme sur le territoire métropolitain, constituent en effet l'une de ces fractures territoriales majeures que j'évoquais à l'instant et qui provoquent la colère de nos concitoyens. Si nous en connaissons les causes, évolution des pratiques professionnelles ou encore moindre attractivité de certains territoires, il nous appartient pour autant de trouver des solutions. Et je salue là aussi l'action de notre collègue Laurent Dumas, et la présentation qu'il a faite hier d'un plan d'action départemental pour une démographie médicale dynamique développée en partenariat avec l'ARS. Cette action va sans aucun doute dans le bon sens et le dispositif innovant mis en place par le Conseil départemental de la Saône-et-Loire et présenté par son président, avec des centres de santé répartis sur tout le territoire et des médecins embauchés directement par la collectivité, pourrait répondre aux attentes de nos concitoyens qui doivent parfois effectuer plusieurs dizaines de kilomètres pour se soigner quand ils n'y renoncent pas, tout simplement. Cette expérience pilote nous offre en tout cas des pistes de réflexion pour avancer et construire un dispositif adapté à notre propre situation. Nous démontrons là encore que le département répond présent et est le mieux placé pour faire le lien entre solidarité humaine et territoriale. Mes chers collègues, l'état du compte administratif et notre épargne brute de 86 millions d'euros sont révélateurs de la bonne santé de notre collectivité et de la saine gestion que nous menons. Une saine gestion qui nous permet aujourd'hui de poursuivre une politique ambitieuse
et de maintenir le cap que nous nous sommes fixés, celui de toujours être au plus près de nos concitoyens. Dans un monde qui change et dont les transformations peuvent provoquer des peurs et engendrer des votes extrêmes, notre rôle d'élu républicain est d'innover afin de trouver les réponses adaptées pour dissiper le désespoir. Et nous innovons. Nous innovons dans notre action sociale, je viens d'en évoquer quelques exemples, mais nous innovons également dans le soutien que nous apportons à nos territoires plus d'au moins. Dans ce cadre, le Fonds d'intervention communale et les contrats territoriaux de développement durable sont depuis une dizaine d'années l'illustration d'une politique redistributrice qui a profité à l'ensemble de nos communes et intercommunalités. Monsieur le Président, vous avez par exemple déjà évoqué les adaptations apportées récemment au FIC qui ont permis, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, de maintenir ce dispositif tant apprécié de nos communes. Quant au CTTD, nous nous félicitons de recevoir tout à l'heure 6 présidents d'intercommunalités pour la signature officielle de leur nouvelle génération de contrats. Ils viendront témoigner de tout l'intérêt qu'ils accordent à cette coopération et nous apporter leurs idées pour la conforter et l'améliorer. S'agissant de coopération, nous savons également combien les apports de l'Agence d'ingénierie départementale, l'ADIT, sont importants pour renforcer ces solidarités, particulièrement pour bon nombre de territoires ruraux qui n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour disposer de l'ensemble des compétences en matière d'environnement, de numérique ou encore sur le plan juridique, notamment en matière de droit des sols. Monsieur le Président, il me semble qu'un autre domaine va également exiger de notre collectivité de l'innovation dans les prochains mois et les prochaines années. Il s'agit de la distribution d'eau. La presse locale s'est faite plusieurs fois l'écho ces dernières semaines des problèmes liés au vieillissement et à l'interconnexion des réseaux dans notre département. L'accès à l'eau, son coût, sa qualité sont autant d'enjeux de premier ordre pour nos concitoyens, nos territoires et notre économie. Pour maintenir cet accès à l'eau et faire en sorte que demain, aucun puits d'eau moins ne s'en trouve privé, aucune piste, aucune idée ne doit être exclue. À ce titre, la création d'un syndicat départemental est assurément une piste à creuser et vous pourrez demain compter sur tout notre soutien pour pousser plus avant cette réflexion et mener à bien ce projet. Cette session va enfin être l'occasion de faire un pas supplémentaire vers la réalisation du projet de collège international que nous soutenons également pleinement. C'est pour nous un enjeu à la fois stratégique pour l'attractivité et le rayonnement du Puy-de-Dôme, mais aussi pour l'intérêt de nos enfants, où qu'ils se trouvent sur le département. La nécessité de doter ce futur établissement d'un internat et d'une offre de transport adaptée sont pour nous autant de conditions nécessaires pour garantir la mixité sociale au sein de cet équipement. C'est en effet bien l'égalité des chances qui nous porte dans ce projet. Dans un monde où l'ouverture n'est pas une option, comme certains tentent de le faire croire, le collège international permettra également de répondre aux besoins de rééquilibrage, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre les territoires de l'Est où l'offre existe déjà et ceux de l'Ouest, de l'ancienne Auvergne, où tout reste à créer. Ce nouveau collège offrira surtout aux jeunes de notre territoire la possibilité de développer leurs talents, et ce, quelle que soit leur origine sociale ou géographique. Ce projet, comme d'ailleurs l'ensemble des dossiers votés par notre Assemblée qui concernent le fonctionnement et l'entretien de nos 57 collèges, rappelle que l'éducation des jeunes, puis d'au moins, est résolument une priorité dans notre collectivité. Le projet de collège international illustre à nos yeux tout le sens que nous souhaitons donner à notre politique. Une politique de service, au service de tous ou de tous les Puy-de-Moins, soucieuse d'innover, mais toujours dans la recherche de la proximité et la promotion de l'égalité des chances. C'est selon moi, chers collègues, la meilleure réponse que nous pouvons apporter comme élus de la République aux peurs et aux colères et à leurs conséquences électorales. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie. Bien, merci. Donc, nous avons fait le tour des différents groupes qui composent cette Assemblée. Je vous propose maintenant que nous passions à l'ordre du jour. Il y a quelques dossiers qui précèdent, qui sont en première page. Je voudrais les passer. Ensuite, nous pencherons sur les dossiers de la commission numéro 4. Alors, un premier dossier, il s'agit de remplacements liés au changement de titulaire de la délégation sur l'habitat. Je ne vais pas vous relire l'ensemble du rapport. Donc, il vous est dit qu'on doit procéder à la désignation de Bernard Sauvade en tant que vice-président chargé de ce secteur à l'agence d'urbanisme, à l'office.
à l'EPS-MAF et également pour d'autres organismes. Il revient au département de proposer de nouveaux représentants ensuite aux instances de ces organismes ou à la préfète de procéder à leur nomination, ceci en conformité avec les textes. Il y a le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le CODERST, la SAHLM Alia d'Habitat, la SAHLM Auvergne Habitat, la SAHLM CDC Habitat. Voilà, donc il vous est proposé de procéder à la désignation de notre collègue Bernard Sauvade. Y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas. Nous allons donc voter. Abstention. Vote contre. Adopté. Merci. Deuxième rapport. Je l'évoquais tout à l'heure dans mon propos. Il s'agit... je l'ai évoqué sur les projets de travaux. De la représentation du conseil départemental au conseil d'administration du centre départemental de l'enfance et de la famille. Pierre Danel était un des représentants du département. Il est devenu le représentant du président du conseil départemental. Nous avons donc à désigner un représentant du conseil départemental. Et j'ai la candidature de notre collègue conseillère départementale de Chamalières, puisque le centre de l'enfance est sur Chamalières, Anne-Marie Marquis. Pardonnez-moi. Y a-t-il d'autres candidats ? Il n'y a pas d'autres candidats ? Nous passons au vote. Abstention ? Vote contre ? Adopté. Merci. Troisième rapport qui concerne l'attribution de la médaille d'or du département à M. Jean-Dominique Sénard, qui était jusque-là président du groupe Michelin. Je ne vais pas vous relire le texte, simplement, vous savez que cette médaille d'or est attribuée par l'Assemblée plénière, sur proposition du président du Conseil départemental. Oui, Monsieur Gay. Excusez-moi, ce n'est pas allumé au bon moment. Pour notre groupe, nous voudrions une suspension de séance d'une demi-heure, s'il vous plaît. Non. Enfin, une demi-heure, ça me paraît beaucoup. C'est beaucoup. Mais voilà, on vous sollicite pour une suspension d'une demi-heure parce que on pense qu'on en a pour une demi-heure. Écoutez, 20 minutes. Ah, mais écoutez, moi je suis pas à la foire de Brion. Si vous voulez une demi-heure, vous avez une demi-heure. Très bien. Une demi-heure. Moi, je fréquente pas. On reprend à 10h30, mais. Faudra pas râler si ce soir ça dure. Hein.
Bien, mes chers collègues, si vous voulez reprendre vos places, nous allons reprendre, il est 10h30. C'est rien, moi je commence. Bien, mes chers collègues, il est 10h30 passé. Si ça continue, on va nous comparer au train Clermont-Paris qui n'arrive pas à l'heure. Pardon ? Oui, j'ai bien compris, le quorum. Je vais quand même être obligé de commencer. C'est moi qui dois proposer. Tu dois consulter les présidents de groupe, t'as pas eu. Ah oui, oui. Bien, écoutez, moi je. J'en mettais. Ah non, mais ils sont
sont pas ensemble. Bien, écoutez, moi, je pense quand même qu'on va devoir commencer puisqu'on a le quorum. Très embêtant. Alors, d'autant que nous avons rendez-vous avec les présidents des EPCI tout à l'heure, à 11h30, et que nous avons quand même pas mal de dossiers à passer pendant cette session. Ah. Bien, allez, si vous voulez vous installer... Bien, puisque l'intergroupe a fini, je vais finir par faire le vote nominal. Comment ? Je vais faire le vote scrutin nominal. Bien, alors mes chers collègues, il est 10h20, je vous propose de reprendre la séance. Nous en étions au rapport 003, je vous rappelle qu'il s'agit d'attribuer la médaille d'or du département à l'ancien président du groupe Michelin, Jean-Dominique Sénard. Vous avez sa biographie, où Jean-Dominique Sénard a tenu les rênes du groupe Michelin pendant 7 années. Il a eu une action importante sur notre territoire puisque c'est sous sa présidence qu'ont été réalisés les grands investissements sur le secteur de l'Adoue qui conforte le pôle recherche de Michelin. C'est la raison pour laquelle, entre autres, il a été aussi partie prenante de manière significative dans la démarche que nous avons entreprise pour l'inscription de l'UNESCO au patrimoine mondial, et vous avez sa biographie à la page 9 et 10. Alors, je vais vous proposer de voter. Qui souhaite intervenir avant ? Jacques Grand. Merci, Monsieur le Président. Vous connaissez mon attachement aux intérêts des salariés, et c'est à ce titre-là que je vais intervenir. Bon patron, diront certains, mauvais patron, diront d'autres, peu importe. Ce qui compte, c'est le bilan de son septennat, puisqu'il est resté 7 ans sur Clermont-Ferrand. Et pour nous, celui-ci est entaché de réorganisation, de restructuration, de fermeture, avec son lot de conséquences pour les salariés du groupe, mais par contre, pour le bien-être des actionnaires. Jean-Dominique Sénard vient de tirer sa révérence après avoir été à la tête du groupe Michelin donc pendant 7 ans. En 2013, Michelin annonce un plan de restructuration entraînant la perte de 730 emplois sur le site de Jouy-les-Tours au premier semestre 2015. En 2014, Michelin supprime près de 100 emplois directs et 400 de sous-traitance en fermant 6 plateformes de logistique en France et quelques centaines d'autres avec la fermeture de plusieurs magasins en Europe. En 2015, Michelin annonce la fermeture de 3 usines situées en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni, fermeture qui induit la suppression de 1500 postes. En 2015, Michelin annonce qu'il va restructurer ses activités dans son fief historique de Clermont-Ferrand, en fermant l'atelier de rechapage poids lourd et en réorganisant son ingénierie avec à la clé 494 suppressions de postes. En 2018, Michelin annonce une réorganisation sur les sites clermontois qui amène la suppression de 970 postes, ce qui fait passer les effectifs clermontois en dessous de la barre symbolique de 10 000
salariés contre 30 000 en 1980. En 2018, Michelin annonce la fermeture d'une usine en Écosse qui emploie 845 salariés. À tout cela, il faut ajouter tous les services qui ont été supprimés et délocalisés ça et là, comme la paye, l'export, certains achats, etc. N'oublions pas aussi que les accidents du travail, les risques psychosociaux, les burn-out et les licenciements pour inaptitude au poste n'ont cessé d'augmenter. Que penser d'un tel massacre industriel et humain ? Ne l'oublions pas, derrière toutes ces fermetures, ce sont des drames humains, alors que les bénéfices, eux, n'ont cessé de croître. Alors, bon patron ou mauvais patron, ce qu'on retiendra, c'est qu'il a été le patron des suppressions d'emplois en Europe, près de 6 000, rien que ça. Aujourd'hui, Jean-Dominique Sénard a laissé la place à son successeur au motif qu'il a atteint la limite d'âge requise pour continuer à la tête du groupe Michelin. Or, ayant peut-être pas suffisamment de trimestres validés pour pouvoir prétendre à la retraite, Monsieur Sénard a postulé. Vous dépassez les limites. J'ai le droit d'avoir un point de vue, Monsieur le Président, qui est tout à fait différent. Nous ne sommes pas dans un tribunal. Qui est tout à fait différent. C'est pas un tribunal, mais vous posez le problème. Moi, je réponds. Je donne mon point de vue. Je donne le point de vue des salariés. Je donne les points. Que vous fassiez le choix du point de vue de Monsieur Sénard, c'est votre droit. Je fais le choix depuis deux mois. Eh bien, ce n'est pas le choix depuis deux mois. Allez demander aux salariés de Clermont s'ils sont d'accord, si c'est moi ou si c'est vous qui avez raison sur cette question-là. Et je termine. Alors, dans sa quête perpétuelle d'un but à atteindre, d'un Graal, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'opportunité lui est donnée de devenir président du conseil d'administration de Renault, l'âge limite étant de 72 ans, en espérant que ce pauvre monsieur qui est margé à plus de 3,8 millions en 2017 chez Michelin, aura suffisamment de trimestres lorsqu'il partira de chez Renault. Que dire de tout cela ? Ce n'est que de souhaiter bon courage aux salariés de Renault et que leur emploi demeure. Enfin, n'oublions pas les cadeaux que le département, lui aussi, a exonéré Michelin de 500 000 euros sans compensation de l'État, alors que les bénéfices de cette entreprise se portent bien, même si l'année 2018 a connu un certain fléchissement, et surtout alors que les actionnaires reçoivent les dividendes records. Je pense que si nous devions lui décerner une médaille, ce serait celle du super-héros de l'actionnaire et non celle du département du Puy-de-Dôme. Vous aurez compris dans ces conditions que notre groupe émettra un avis défavorable sur cette proposition. Très bien, merci. Je ne pensais pas quand même qu'un débat concernant la médaille d'or du département puisse tourner de cette manière-là. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais que ce soit l'occasion pour dresser un procès de quelqu'un qui a été à la manœuvre pour réaliser... Vous permettez ? Je peux parler ? Oui, non, mais attendez, hein, on n'est pas... c'est pas Al Kabach et Georges Marché. Hein. Alors, si vous permettez, quelqu'un qui a permis un ancrage essentiel, territorial, à Clermont, avec les investissements qui ont été faits sur la zone de l'Adoue, pour laquelle nous avons, comme la ville de Clermont, comme la commune concernée, accordé une exonération fiscale, vous l'avez dit, de 500 000 euros. Moi, vous savez, j'ai été pendant longtemps adjoint au maire à Clermont et j'avais en charge les affaires économiques. J'estime que dans les relations qu'on a avec une entreprise, on porte une forte responsabilité vis-à-vis des salariés de cette entreprise. Et si Michelin ne s'était pas internationalisé, si Michelin n'avait pas fait des investissements ici ou là, aujourd'hui, Michelin n'existerait plus, ce serait l'annexe d'un grand groupe international. Et il n'y aurait pas de centre de décision à Clermont. Voilà simplement ce que je voulais dire. Jean-Paul Cuzin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas prévu de m'exprimer tant il me paraissait, en ayant lu les projets de délibération, que celle-ci ne poserait pas problème. Pour autant, je vois qu'elle déclenche un certain nombre de réactions dans une véhémence qui m'étonne et me surprend. Mais pour autant, alors, s'ériger en porte-parole des salariés, je crois dans cette assemblée avoir été le seul à travailler dans cette entreprise,
parce que j'ai croisé aucun de mes autres collègues dans les couloirs des Carmes, de Catarou, de la Combotte, de la Doue, de Chantemerle ou des Gravenches, voire de sites en dehors de Clermont-Ferrand que j'ai également fréquenté. Donc je pense que ça me donne une légère légitimité à peut-être m'exprimer, et qui plus est, sans vouloir étaler ma vie ici, ma famille a travaillé de manière continue depuis 1916, lorsque mon arrière-grand-mère s'est trouvée veuve de guerre et est rentrée dans cette entreprise, dans un emploi de production. Voilà. Donc je connais un petit peu Michelin, et je connais aussi particulièrement les 7 années donc, qui ont conduit Jean-Dominique Sénard à reprendre dans des conditions que je ne rappellerai pas, mais que tout le monde connaît ici, douloureuses, et qui apportaient beaucoup d'inquiétudes pour le personnel de l'entreprise, justement dans cette continuité, on va dire, plutôt familiale, avec quelqu'un qui n'était pas issu de cette lignée. Jean-Dominique Sénard a indéniablement marqué l'histoire du groupe. Alors, il y a effectivement des choses qui ont été rapportées. Il y en a eu avant, il y en aura après. Et sans se réjouir des diminutions d'emplois, puisque je suis rentré en janvier 81, date à laquelle il y avait effectivement environ un petit peu plus de 30 000 salariés sur Clermont, et j'en suis sorti officiellement le 1er mars dernier, donc à la survenance de ma retraite, à moins de 10 000 salariés. Il y a effectivement eu une érosion. Je ne m'en félicite pas. Pour autant, je suis conscient, et je pense qu'on peut toujours rêver la vie, l'industrie en général, et celle de la mobilité en particulier, a été amenée depuis la naissance de l'automobile jusqu'à aujourd'hui, et elle continuera à le faire demain. Elle continuera à le faire parce que la mobilité ne sera pas la même dans 10 ans de celle que nous connaissions il y a 50 ans. Alors on peut regretter certaines époques, on peut travailler en regardant le rétroviseur. Je pense que pour autant, il faut avancer. Il faut avancer, et lorsque l'on est conduit, et je crois qu'au-delà des chiffres qui ont été cités, il y a une chose qui est marquante, et pour moi qui reste vraiment dans ce qui a été illustrateur de ce que Jean-Dominique Sénard a conduit, c'est de faire en sorte qu'aucune réforme de l'entreprise, aucun plan social ne soit mis en place sans être socialement accepté. Et je crois que nous avons tous pu voir combien, justement, cette évolution a été intégrée dans le fonctionnement de l'entreprise. J'ai personnellement conduit en 2012 la fermeture de l'usine du CND que nous avions dans la banlieue algérienne. Et nous y avons eu la même démarche sociale d'accompagnement, et je dis bien sociale, d'accompagnement des salariés. Et je ne suis rentré d'Algérie que lorsque le dernier des salariés que nous avions sur les 628 que comptait cette usine a pu trouver une place de reclassement dans l'environnement qu'il souhaitait. Et cela a été conduit avec la même rigueur lorsque des plans sociaux ont été mis en place sur Clermont-Ferrand ou sur les sites français. Voilà, donc voilà ce témoignage. Pour ce qui me concerne, et je pense que pour l'ensemble des collègues de mon groupe, il n'y a aucune hésitation, et que si cette médaille peut être effectivement en titre de reconnaissance de notre département à quelqu'un qui a contribué à cette entreprise, elle est largement méritée. Je vous remercie. Bien, merci Jean-Paul Cuzin. Jean-Marc Boyer. Oui, Monsieur le Président, comme mon collègue Jean-Paul, je ne pensais pas non plus intervenir sur ce sujet-là, mais c'est vrai que les propos de notre collègue Jacques Grand, qui ne nous habitue pas à des envolées aussi hostiles, si je puis dire, moi, me conduisent à faire 3 remarques. La première, c'est que Michelin, aujourd'hui, chez nous, c'est l'image de notre région. Lorsque vous êtes à l'extérieur du département, que vous dites que vous venez du Puy-de-Dôme, on vous cite 2 noms. Michelin et Giscard. Oui, laissez-moi finir, si je peux me permettre. Et quand on vous parle de Michelin, c'est vraiment l'image et la référence de notre région, du département, mais de l'ensemble de notre région. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Michelin est vraiment considéré comme le fleuron de l'industrie automobile dans notre région, et je crois que ça mérite quand même un minimum de considération. Et le fait que Michelin ait décidé de conserver son siège social à Clermont, je ne sais pas si vous avez visité, si vous avez eu l'occasion, mais certains l'ont certainement eu, d'aller visiter le centre de la Doue,
qui a été réalisé dernièrement, qui est une ville dans la ville, si je puis dire. Les salariés qui travaillent dans ce centre, aujourd'hui, le peu que j'en connaisse, ne se plaignent pas des conditions de travail et d'accueil qu'ils ont au centre de l'ado. J'avoue franchement que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc il faut quand même aussi le dire. Michelin, c'est aussi, lorsque vous allez au salon de l'auto, c'est la référence en termes de recherche et innovation sur les nouvelles technologies, sur la mobilité, sur toute la transition écologique, etc. C'est aussi l'image de Michelin aujourd'hui. Et ça, c'est aussi quand même, il faut le reconnaître, c'est quand même Sénar aussi qui a amené tout ça. Un autre point, deuxième point, quand on parle de Michelin, forcément tout de suite vient à l'idée l'ASM. Bon, avec des liens directs ou indirects, familiaux qui datent, etc., mais c'est l'ASM. Et l'ASM aujourd'hui, dernièrement, c'était encore la finale du top 14, où on avait l'ASM qui était en pointe et qui a été aussi le vainqueur de la Coupe du Monde européen. Donc je crois aussi que cette image-là, bon, il faut quand même aussi en tenir compte, et que c'est quelque chose qui est important pour notre région. Alors, troisième point, chers collègues, vous parlez des salariés. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister aux obsèques d'Édouard Michelin, ici à Clermont, à la cathédrale. Et bien, les salariés, il y avait des milliers et des milliers de salariés Place de la Victoire. Impressionnant, impressionnant. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de patrons ou de chefs d'entreprise qui aient une telle reconnaissance de la part de leurs salariés. Alors ça mérite le respect, et je crois que c'est la moindre des choses. Bien, alors j'ai deux demandes de parole du même groupe que notre ami et collègue Jacques Grand. Monsieur Courtadon d'abord. Merci Président, mais comme le débat est libre et que deux intervenants du groupe des Républicains, je me suis dit qu'on pouvait aussi compléter le débat. La question, elle n'est pas tant de faire le bilan de l'entreprise Michelin et de l'apport d'une manufacture composée de ses salariés, mais aussi de ses cadres au territoire que nous sommes aussi en responsabilité de faire évoluer, mais plutôt de dire pourquoi le département du Puy-de-Dôme, en tant que collectivité publique, décide de donner une médaille, une reconnaissance officielle à un des acteurs de ce territoire et pas d'autres. Alors, je comprends l'argument de l'UNESCO, mais l'UNESCO, il n'y a pas que l'entreprise, en tout cas le chef d'entreprise Jean-Dominique Sénard qui a contribué, beaucoup d'acteurs et notamment l'université et des acteurs publics qui ont contribué à l'évolution et à la réussite de ce dossier. Donc pourquoi on a un des acteurs mis isolément qu'on souhaite reconnaître, sauf à penser qu'il y a une envie particulière de reconnaître et de rendre hommage à certains types d'acteurs plutôt que d'autres. Et c'est là où je trouve qu'on change de période. Jusqu'à présent, la manufacture, en tout cas un certain nombre de cadres de la manufacture, décidaient de ne pas rentrer dans le débat public, de laisser le débat public se faire. Et aujourd'hui, on assiste à autre chose. L'intervention de notre collègue le montre bien, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, dans cette assemblée, des porte-paroles de la manufacture. Et moi, je vous le dis réellement, ça me pose problème. Parce que la reconnaissance d'un chef d'entreprise, c'est pas de dire que cette assemblée se met sous les fourches caudines des dynamiques entrepreneuriales de ce territoire. On est là au service des Puy-de-Dômois et des Puy-de-Dômoises, et pas au seul service de ceux qui sont aujourd'hui les seuls. Non. L'entreprise, si aussi les salariés font partie de l'entreprise. Je finis mon propos. Je souhaite que l'on puisse reconnaître un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui portent ce territoire, et pas exclusivement ceux dont on pense qu'il y a une utilité, je dirais presque politique, à le faire. Bien, alors, j'ai deux demandes de parole. Caroline Dallet, Jacques Grand, et puis après on va se rendre. Alors, Caroline Dallet. Oui, merci. Moi, je reviens sur les propos de M. Cuisin. Vous parlez tout à l'heure en tant que témoin, et vous nous dites que vous avez eu le témoignage de votre arrière-grand-mère en 1916 de ce que pouvait être Michelin. Bon, alors, allons-y. Moi, j'écoute aussi régulièrement les résidents d'une maison de retraite parler de la famille Michelin il y a longtemps. Je peux vous garantir que c'est absolument pas la même que celle qui existe aujourd'hui. Ensuite, vous êtes surpris de notre point de vue,
de notre position. Non. Bah, simplement, nous, on n'est pas du tout surpris, par contre, que vous défendiez cette médaille, parce que nous savons que vous défendez ce type de société, ce modèle basé effectivement sur les puissants et sur l'actionnariat. Voilà. Donc nous, nous ne votons pas ce projet de délibération sur ce principe-là. Merci. Jacques Grand. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas cherché à créer les conditions d'un débat mouvementé sur ce sujet. On m'accuse de faire un plaidoyer de tribunal. Moi, j'entends aussi un plaidoyer panagérique aussi. Alors, donc, on peut toujours se renvoyer la balle. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je pense que, effectivement, un chef d'entreprise, il a raison d'exister qu'à une seule et unique condition, c'est qu'il y ait ses salariés autour. C'est qu'il ait ses salariés autour. Et à partir de là, je pense que décerner quelque chose à une personne pour une raison, quelle qu'elle soit, sans faire référence à l'apport des salariés dans l'entreprise, moi, ça ne me passe pas. Ça ne passe pas, d'autant plus que dans ce septennat, sans jouer au tribunal, mais dans ce septennat, il y a eu quand même des éléments qui ont marqué profondément la situation, aussi bien de Clermont, mais au-delà de Clermont-Ferrand. Et ce n'est pas parce que les salariés, mais moi je trouve tout à fait normal, j'étais même présent à l'enterrement que vous évoquez, puisque j'étais à la SNCF et je représentais la SNCF, la direction régionale. Donc moi je crois qu'on doit avoir du respect, et qui plus est, c'était une personne qui était d'une quarantaine d'années. Donc je pense que ça marque aussi les esprits. Et on s'est dépassé à un moment donné les aspects sociaux de l'entreprise pour le respect des gens. Moi, ce n'est pas ça que je remets en cause. C'est la politique qui a été menée par Michelin, bon, à travers le Sénat, mais malgré tout, c'est la politique. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. Je ne voulais pas créer de polémique outrancière par rapport à ça, mais je me dois, parce que j'ai la conviction que je défends les intérêts des salariés, il était de mon devoir, tout simplement, d'évoquer quand même ce qui s'est passé. Alors bon, c'est peut-être le côté tribunal, mais moi je réponds aussi, il y a aussi le côté panagérique, hein, voilà. Merci. Bien, Jean-Paul Cuzin. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais essayer d'être très bref, mais ayant été cité dans plusieurs interventions, je voudrais rappeler, je développerai sur deux points. Si j'ai fait effectivement référence à certains éléments familiaux, c'est pour exprimer la légitimité qui me paraît être donnée par ces éléments justement pour m'exprimer. Et comme je l'ai dit, je pense que ça a été confirmé, le seul dans cette assemblée à avoir travaillé pendant près de 40 ans dans cette société et y avoir croisé de très nombreux salariés. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier point. Et je ne vois pas en quoi être porte-parole d'une idéologie donnerait plus de légitimité à s'exprimer que d'avoir vécu pendant 40 ans à l'intérieur d'une société. Deuxièmement, sur le plan, plus sur le fond cette fois-ci, je vous invite collégialement et peut-être avec les interlocuteurs que vous avez dans l'entreprise à leur demander combien d'accords ont été signés par l'ensemble des organisations syndicales dans cette entreprise pendant les 7 années où M. Sénard en a eu la direction. Je pense que vous serez étonnés à la fois par le nombre et par la nature des organisations syndicales qui les ont signées. Voilà. Elles les ont signées de manière unanime pour la plupart d'entre elles et elles se considèrent comme représentatives. Et deuxième point sur le fond également, depuis maintenant environ 7 ou 8 ans, donc c'est à peu près concomitant avec la mise en place au sein de la tête de la présidence du groupe de Jean-Dominique Sénard, a été mise en place dans l'entreprise, à la demande d'un certain nombre d'ailleurs de fonds de pension, c'est une tendance dans les grands groupes, d'une enquête d'opinion sur l'ensemble des salariés, et cette fois-ci au niveau du groupe. Et vous pouvez aussi le vérifier, c'est une enquête qui est faite de manière donc anonyme, à laquelle sont appelés à répondre l'ensemble des salariés du groupe, et vous pourrez vérifier que la progression a été constante sur les critères notamment d'engagement et d'adhésion à l'entreprise de la part des salariés. Alors, lorsque l'on reporte un certain nombre d'éléments,
il est, je pense, sur le plan intellectuel, d'une parfaite honnêteté de les vérifier sur des éléments factuels et à la portée de tous. Je vous remercie. Bien. Alors, si vous voulez, je vais essayer de... Dominique Boyat. Allez, Dominique Boyat. Président, oui, alors moi, j'entends sous tous ces arguments. Jackie, je comprends ce que tu dis. Je suis aussi une fille de Bib, hein, moi. Mais je voulais insister sur autre chose. C'est que moi, quand je rencontre Jean-Dominique Sénard, c'est sur la Fondation Michelin. Et je crois que la Fondation Michelin, tout ce qu'elle fait pour les Puy-de-Dôme, bien sûr, plutôt les Clermontois ou les gens de Clermont-Auvergne Métropole, mais tout ce qui est l'argent qui est investi, sachant que Jean-Dominique Sénard est aussi dans les conseils d'administration, ça, je ne peux pas l'oublier. Je pense que c'est l'homme qu'on récompense et non pas l'entreprise. Merci de cette précision, c'est important. Bon, je vais essayer de conclure, si on peut conclure sur un sujet comme ça. D'abord, proposer que Jean-Dominique Sénard soit le distingué, si je puis dire, par cette médaille, c'est reconnaître l'importance de l'entreprise Michelin, qu'il a dirigée pendant 7 ans. J'ai présenté cette question-là en réunion d'exécutif. Je n'ai pas eu une seule opposition, je voulais le dire quand même. Donc, il n'y a pas eu de problème au niveau de l'exécutif. Moi, simplement, ça a été rappelé, le rôle de Michelin dans le sport. Vous savez, moi, quand je reçois des collègues qui viennent à un match de rugby, ils disent, vous avez un stade formidable, ça a coûté combien ? C'est quand même un financement, un stade sur lequel il n'y a aucun financement public. C'est quand même l'exception dans ce pays. L'implication dans l'ASM, pas uniquement à travers le rugby, ce qui est la partie visible de l'iceberg, mais aussi dans les quartiers, auprès des jeunes. Partenaire Michelin, elle est avec nous sur Charade, et va l'être encore plus. Et va l'être encore plus. Il l'est sur le projet de collège international. Il l'a été pour l'UNESCO, mais pas seulement dans un affichage, à deux niveaux. D'abord sur la fondation de l'UNESCO, qui permet de financer le plan de gestion, mais aussi parce que, je peux vous dire que dans la discussion que j'ai eue au plus haut niveau de l'État, Jean-Dominique Sénard a toujours été quelqu'un qui a eu un rôle très important pour faire passer des messages lorsqu'il a fallu que l'État décide de présenter la candidature. Donc tout ça, c'est un ensemble. Alors moi, je voulais simplement rajouter que je vous renvoie à une enquête qui a été faite récemment, je crois que c'est les Échos qui l'ont publiée. On a fait une enquête auprès des jeunes diplômés de grandes écoles et d'universités. Michelin arrive parmi les entreprises qui sont le plus recherchées pour ces jeunes qui sortent diplômés des grandes écoles et des universités. Alors maintenant, je vais vous demander qu'on se prononce. Alors, quelles sont celles et ceux qui s'abstiennent ? Pas d'abstention. Quelles sont celles et ceux qui votent contre ? Alors, votre groupe, c'est ça, hein ? Il n'y a pas d'autres contre ? Bien, ben, je vous remercie. Donc, la médaille d'or est attribuée à Jean-Dominique Sénard. Et nous aurons l'occasion d'une cérémonie à laquelle vous serez tous conviés pour la lui remettre. Je vous remercie. Donc, nous allons passer maintenant au rapport de la 4e commission, puisque nous avons à 11h30 la venue des collègues présidents de PCI qui vont signer les contrats dont nous allons parler. Je passe la parole à Pierre Etray. Oh, pardon, Jean Poussonnaille, vous voulez. Monsieur le Président, j'espère que c'est le modèle à Nord. Oui. Ah bon ? Médaille d'or. D'ailleurs, je voulais vous dire, à cette occasion, on va refaire une médaille, parce que celle qu'on avait, elle a un peu dépassé. Pierrette. Merci, Président. Rapport 401, il s'agit donc de deux contrats territoriaux de développement durable, à savoir Yon, Limagne et Volcan, et entre Dore et Allier. Ce sont donc les 6e que nous passons. Et il y a une enveloppe qui a été accordée, dont vous avez le montant. Pour Rion, Limagne, Volcan, c'est 1 074 600. Et pour Entre-Dor et Allier, il s'agit d'un montant de 70 517. On vous demande donc d'approuver ces contrats dont nous allons faire la signature officielle dans quelques minutes, comme le Président l'a dit. Et nous serons donc à 6, puisque nous avons eu Happy Soir, Billon, nous avons déjà passé Happy Soir, Billon, Crombraille, Sur-les-Morges et Dôme, Sancy, Artens. Voilà, chers collègues. Bien, merci beaucoup. Avez-vous des questions ? Il n'y a pas de questions ?
Donc je vous propose que nous votions ce rapport. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des votes contre? Non plus. Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant. Pour 402, il s'agit du contrat territorial de développement durable, enfin l'ancien, de la communauté de communes du pays de Saint-Éloi, qui demande une prorogation de délai d'engagement des travaux. Ils n'ont pas eu le temps de les réaliser pour un montant de 267 947 €. Jusqu'au 21 juin 2020. Bien, merci. Des interventions, il n'y en a pas. Nous passons donc au vote. Abstention. Vote contre. Adopté. Rapport suivant. Alors, dans le cadre du fonds d'intervention communale, cela concerne la commune de Charbonnières-les-Varennes pour la réhabilitation du centre de loisirs Les Petits Loups, donc avec une subvention de 81 198 €, 79 200 € au titre du FIC et 1998 € au titre du FIC exceptionnel. Merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Nous passons donc au vote. Abstention. Vote contre. Adopté. Rapport suivant. Rapport 404. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle à la commune d'Arde-sur-Couze, puisque, comme vous le savez, le collège d'Arde avait été fermé. Il fonctionnait dans des locaux qui appartenaient à une congrégation religieuse. Et il y avait à côté un bâtiment de type préfabriqué qui est dans un mauvais état. Et donc, oui. Pour tenir nos engagements, nous allons accorder une subvention de 40 000 € dans le cadre du fonds d'intervention communale pour la destruction de ce bâtiment préfabriqué. Bien. Avez-vous des questions ou des remarques? Nous passons au vote. Abstention. Vote contre. Adopté. Rapport suivant. Rapport 405. Cela concerne l'IADT, l'Institut d'Auvergne Rhône-Alpes du développement du territoire. Il s'agit du renouvellement de la convention dans le cadre d'un GIP qui avait été créé pour une durée de 6 ans, qui arrive à échéance. Et donc nous renouvelons cette convention. Je vous rappelle qu'il y a 18, une part pour le département, 5 parts pour la région, 10 pour l'université, une pour Veto Agré. Et nous contribuons à hauteur de 12 000 € par an. Il vous est demandé d'approuver les termes de l'avenant qui est joint donc au rapport. Merci. Avez-vous des questions? Donc nous allons voter. Abstention. Vote contre. Adopté. Je vous remercie. Et nous avons un rapport sur l'aménagement du site, enfin sur le site du Puy-de-Dôme, la convention d'accès des écoles de vol libre. Serge Pichot. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapport 406, donc c'est une convention qui redéfinit les modalités d'accès au sommet du Puy-de-Dôme pour les élèves des deux écoles de vol libre, qui va leur permettre, en accédant au sommet plus tôt et en pouvant redescendre plus tard dans la journée, de bénéficier de conditions aérologiques meilleures. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est d'approuver les termes de cette convention. Merci. Avez-vous des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Abstention. Vote contre. Adopté. Donc nous en avons terminé avec la quatrième commission, mais je reviens un peu en arrière parce que j'avais, dans la foulée de tout à l'heure, oublié de vous soumettre le rapport 004, qui est le rapport d'activité des services du département pour l'année 2018. Alors, chaque année, nous présentons évidemment ce rapport d'activité. Comme l'État vient nous présenter son propre rapport d'activité, ça a été fait, ou ça sera fait. Vous avez donc un document qui vous a été remis, d'ailleurs, je crois que certains en ont fait allusion tout à l'heure dans leur discours d'introduction. Avez-vous des questions, des remarques sur ce rapport d'activité? Donc, je vous demande simplement de me donner acte de la communication de ce rapport d'activité. Merci à vous toutes et à vous tous. Et nous allons... on a un peu de temps, donc on va commencer la première commission. Alexandre Pourchon est par là, si on peut l'appeler. Alors, sinon, on va commencer par les rapports qui sont signés par d'autres vice-présidents.
Oui, c'est ce que je suis en train de regarder. Non, mais il arrive, je crois. Mais il est loin. Bien, alors en attendant qu'Alexandre Pourchamp arrive, je vous propose de passer au rapport 106 et je donne la parole à Laurent Dumas. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un rapport co-signé avec Dominique Gérand, qui a été évoqué dans les deux commissions. C'est la démarche donc haptique. On est sur de l'inclusion numérique. Et donc là, comme cela a été évoqué tout à l'heure dans les discours, on est bien sur de l'innovation aussi avec le chèque culture numérique. Alors, c'est un dossier qui vous est présenté sur de l'expérimentation. Cette expérimentation aura lieu sur les communautés de Billon Communauté, Plaine Limagne, Chevenon et Combrail et Volcan, Ambert-Livradois-Forez. Ce dispositif s'adresse aux personnes de plus de 60 ans, sans condition de ressources. Il est prévu dans un premier temps 550 chéquiers de 50 euros, avec un calendrier pour la mise en œuvre qui débuterait en septembre 2019. Le budget est de 30 000 euros, mais il y a eu aussi un appel à projet qui peut donc espérer obtenir 30 000 euros supplémentaires. Donc il est donc demandé d'approuver ce rapport. Mais Dominique Gérand peut intervenir si elle bien. Le souhaite. Alors, j'ai deux demandes d'intervention. Dominique Gérand et Michel Sauval. Il y a des rires dans les couloirs. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un projet, juste quelques précisions. Et Laurent Dumas donc, en a exprimé la teneur. Hein. Donc, s'il s'agit de, dans le cadre du schéma des usages numériques, hein, donc, que l'on a aussi de déploiement de services sur le territoire, eh ben, c'est aussi passer à la vitesse supérieure et d'adapter nos dispositifs avec un chéquier où on va aller au plus près des seniors pour assurer cette médiation numérique, donc nécessaire. Hein, donc on en parle depuis longtemps, hein, de la fracture à la fois générationnelle, sociale et culturelle. Donc c'est une expérimentation qui est financée dans le cadre de la conférence des financeurs, avec un petit complément donc, sur le budget numérique, et on espère aussi l'appel à projet national qui est bien parti pour démultiplier, et donc à partir de cette expérimentation sur les quatre communautés de communes, en trouver non pas un modèle, mais une adéquation la plus précise possible donc sur les territoires. Et aussi, on évoque donc la rencontre avec les communautés de communes tout à l'heure, hein, et les CTDD, c'est d'avoir aussi les remontées des territoires pour s'adapter à leurs priorités aussi en matière de politique en direction des seniors. Merci. Donc, Michel Sauval. Merci, Monsieur le Président. Deux questions simplement, puisque c'est quelque chose qui s'inscrit dans une politique gouvernementale de lutte contre l'électronisme. Moi, j'ai deux questions sur ce point-là. La première de ces questions, c'est que l'État engage une politique de lutte contre les difficultés d'inclusion numérique. Le seul problème, c'est qu'il ne met pas un centime dessus, c'est-à-dire qu'il prend dans la poche des collectivités et il entend solliciter également les fournisseurs d'accès, Orange et compagnie, de façon à ce qu'ils sponsorisent, entre guillemets, ce type d'accompagnement. Donc j'aurais aimé savoir très concrètement s'il y a une participation de l'État à ce stade de l'expérimentation. Le second point, l'expérimentation fait état de chèques de 50 euros
enfin pas de 50 euros, mais de 5 fois 10 euros utilisables pour des ateliers collectifs ou à domicile. Dans le plan de l'État, il est prévu de labelliser un certain nombre d'associations qui seraient en capacité de fournir cet accompagnement. J'aimerais savoir si dans le cadre du dispositif actuel, c'est la même chose. Est-ce que des associations ont été déjà pressenties? Est-ce qu'il y a une forme de labellisation par le département? Bien. Alors, qui peut répondre? Il y a la conférence des financeurs qui est partie prenante. Dominique Giron. Bon, mais voilà. Oui, c'est un élément essentiel que je n'ai pas précisé parce que éditer des chèques et les distribuer, bon, ça c'est une chose. Hein, donc, elle nous dit on va aider les gens dans le cadre de la médiation numérique. Ce qui est aussi le plus important et qui est le préalable, c'est d'avoir des personnes qui peuvent répondre aux seniors. Et donc, notamment, d'avoir cette labellisation de lieux, de maisons de services au public ou d'associations qui le font déjà sur certains territoires. Donc, c'est pour ça que certains territoires ont été pressentis dans le cadre de cette expérimentation. C'est qu'il y a ce travail parallèle d'avoir un pool avec une bonne répartition sur l'ensemble du territoire, d'associations ou de lieux ou de collectivités qui assureront ce service, donc parmi le nombre de compétences donc, qui est requis donc, pour faire cette médiation numérique. Donc ça, c'est un travail qui est déjà mené en amont pour le repérage et d'avoir ce pool de lieux qui puisse répondre. Sur la question de l'État et notamment dans l'appel à projet, donc là, il n'y a pas le financement. Donc, on est, je dirais, aux prémices et dans le cadre d'une expérimentation. Et bien sûr, on souhaite faire multiplier par deux, je dirais, l'enveloppe en demandant à l'État d'abonder donc dans le projet sur les chèques. Sur le montant des chèques, ça c'est le, on avait parlé de 100 euros, donc il y a 50 euros. Après, je veux dire, ça c'est modulable. Hein. Enfin, je veux dire, le montant des chèques n'est pas, pas figé, quoi. Bien. Moi, simplement, effectivement, Michel Sauval a fait allusion à la sollicitation de l'État en direction des opérateurs. Ça me paraît quand même, je dirais, la moindre des choses. Quand même, s'il y a quelqu'un qui bénéficie bien de ça, c'est les opérateurs. Donc, il est normal que... il me paraît normal que les opérateurs soient sollicités. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de voter ce rapport, enfin, de prononcer sur ce rapport. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des votes contre? Il n'y en a pas non plus. Le rapport est donc adopté. Alors, on va faire le rapport suivant... Et non. Oui, parce qu'après, ça demande des débats. Oui. Alors, rapport 107, donc rapport qui co-signe aussi avec Alexandre Pourchon. On est ici sur de la fourniture de services avec le groupe La Poste. On est aussi sur de l'expérimentation. Hein. On est sur une proposition donc d'un nouveau pack service Senior 63. Pour le portage de biens culturels à domicile, une fois par mois. Pour le portage de médicaments à domicile, deux fois par mois. Sur les visites hebdomadaires à domicile, pour des visites de courtoisie. Sur la médiation numérique, 6 séances de 2 heures. Et donc, le calendrier de déploiement est prévu en septembre 2019 jusqu'en juillet 2020. Le public ciblé, donc, c'est les personnes de plus de 70 ans. Et le territoire d'expérimentation serait la communauté Ambert-Livradois-Forez. Le budget de cette opération est de 48 000 euros, avec donc une participation du groupe La Poste à 50% pour 24 000 euros. Bien, merci. Alors, Eleonore Spagnac. Merci, Monsieur le Président. Le besoin d'apporter aux personnes âgées du département des services adaptés est une évidence. Au titre de votre compétence dans l'accompagnement de ces services, je comprends votre besoin de développer des propositions dans ce sens.
Ce que notre groupe ne comprend pas, c'est l'accord avec un groupe privé qui prouve chaque jour que son implantation sur les territoires n'est plus son cœur de métier. Cette convention va permettre à La Poste de tirer un profit, une visibilité, mais quelle sera notre contrepartie ? Sommes-nous vraiment dans notre rôle ? Il existe sur le département 80 services habilités à l'aide à domicile déployés sur tout le territoire. Nous avons des agents des directions de la solidarité dans 5 circonscriptions, des CLIC, des CCAS, des EPCI qui ont pris des compétences pour mettre en place des services aux personnes âgées. Pourquoi ne pas travailler en priorité avec ces partenaires-là ? Merci. Bien, Jacques Grand. Oui, merci Monsieur le Président. Ce dossier nous amène à faire quelques remarques, non pas sur l'intérêt de cette expérimentation que nous partageons, mais sur la capacité du groupe La Poste à répondre à cette mission. En effet, un peu partout, là aussi, je vais parler des salariés, hein, une fois de plus, mais je crois que c'est normal, c'est quand même dans mon ADN, même si je n'ai pas le monopole, vous avez raison de le dire certaines fois, le monopole du cœur. Mais ceci étant, on sait très bien aujourd'hui que les salariés de La Poste sont en tension. Les postiers sont en lutte dans pas mal d'endroits, et pour leurs conditions de travail. On voit bien, le courrier, dans certains secteurs, n'est pas distribué régulièrement. On voit des gens qui reçoivent leur journal tous les deux jours, et donc c'est une réalité. Les agents terminent leur journée de plus en plus tard, ils dépassent les horaires de travail. Hein, enfin, c'est au moins ce qu'ils nous relatent sur notre territoire. Bref, aujourd'hui, on constate, et chez moi c'est le cas, beaucoup de maladies, beaucoup de burn-out, de fatigue qui deviennent la règle. Donc, dans ces conditions, j'ai des difficultés à voir comment nos facteurs vont pouvoir accomplir ces nouvelles missions, même si, je tiens à le souligner, pour certaines, elles étaient déjà d'actualité, et ils le faisaient d'ailleurs bénévolement. Mais ce n'était pas dans la règle, mais il le faisait pour une certaine part bénévolement. Donc je suis inquiet quant à la garantie d'accomplir ces missions. Bien entendu, vous l'avez dit, il s'agit d'une expérimentation et nous sommes demandeurs, par contre, d'un suivi de cette opération pour faire en sorte qu'on apporte les éléments de réflexion et de réponse sur ce sujet, parce que moi, c'est une préoccupation. Je crois qu'il faut qu'on la prenne en compte aussi, même si elle est indépendante de notre action. Mais malgré tout, on considère quand même que c'est un service public et qu'on tient qu'à ce que ça soit un service public. Et à partir de là, moi, je suis demandeur de... Alors, on appellera ça comme on voudra, groupe de travail, etc. Mais le principal étant que l'on fasse un suivi de cette opération. Merci. Merci. Alexandre Pourchon, vous voulez apporter une précision ? Oui, Président, merci. Alors, sur ce dossier, parce que j'ai eu l'occasion, on a eu l'occasion de discuter longuement avec Laurent Dumas, mais de recevoir aussi la directrice de La Poste. Alors, tout dans un premier temps, il faut rappeler que ce projet n'avait pas été retenu par la conférence des financeurs, et paradoxalement, essentiellement retoqué par d'autres partenaires que sont, qui sont la CARSAT, l'ARS et bref, d'autres représentants de ces co-financeurs de la conférence des financeurs, malgré le fait que le projet ait été plutôt bien défendu. Du privé, oui, mais la conférence des financeurs, mes chers collègues, finance régulièrement des projets en vue de maintenir à domicile le plus longtemps et dans les meilleures conditions les personnes âgées et les personnes dépendantes sur notre département, et fait appel à des structures privées, associatives ou pas. Donc je crois qu'il faut le regarder de cette manière-là, avec bien à l'esprit que c'est une expérimentation qui a une date de début, août 2019, une date de fin, ce sera juillet 2020, donc un an. Moi, j'ai été très clair avec la directrice de La Poste en disant qu'il n'était pas question que ces nouveaux services viennent amputer des services déjà rendus par les services d'aide à domicile locaux ou des services d'aide à la personne qui sont déjà sur le terrain, qui fragiliseraient, où souvent les collectivités sont impliquées. Leur réponse a été très claire hein, là-dessus. C'est nous sommes dans la complémentarité plus que dans la redondance. Donc moi, je suis assez d'accord, hein, Président, si vous en êtes d'accord, de faire avec Laurent, de permettre à chaque groupe de désigner un représentant pour qu'on puisse suivre mieux. Moi, je vous proposerai une chose, puis je pense que La Poste n'y sera pas défavorable, en tout cas, c'est même qu'on les rencontre sur le terrain,
autant que faire se peut aller sur le terrain dans l'Ambertois, ce sera pas mal, d'aller se rendre compte, peut-être discuter sur les missions qui sont les leurs. C'est du portage et de la visite hebdomadaire, avec exception faite de la médiation numérique, qui est aussi un élément dans lequel nous nous engageons. Mais le portage, c'est le rôle des facteurs. Je crois que ça mérite d'être observé. Maintenant, avec prudence, parce qu'il faut que ça préside aussi à l'équilibre de nos territoires. C'est tout, hein. Mais comme tous nos partenaires sur le terrain, comme avec tous nos autres partenaires. Donc la vigilance et ce petit groupe, moi je souhaiterais qu'il soit aussi... en observation, si vous en êtes d'accord, sur d'autres projets portés par d'autres que la Poste. Bien, merci. C'est un sujet qui intéresse du monde. J'ai deux demandes d'intervention. Jean-Luc Coupa. Oui, simplement relayer un petit peu les interrogations de Jackie Grand, parce que la problématique, en fait, effectivement, le facteur, c'est la personne qui va chez tout le monde tous les jours. Ce genre de service qu'on peut apporter, il ne peut se faire que quand il y a une confiance qui est instaurée entre le facteur et les habitants. Et au jour d'aujourd'hui, la Poste, elle a des facteurs qui tournent sans cesse sur les tournées, elle embauche des gens en intérim, et donc cette confiance-là ne s'installe pas. Et donc ça sera difficile, autant porter des livres, porter des médicaments, ça peut s'entendre, autant les services d'alerte. Et là, la Poste peut jouer tout son rôle. Ils ne peuvent s'entendre que dans la mesure où il y a une confiance qui est instaurée, c'est-à-dire qu'on ait des facteurs qui soient attitrés à une tournée. Ce n'est pas la politique de la Poste au jour d'aujourd'hui. Simplement dire aussi, une petite précision, la Poste, ce n'est pas une entreprise privée. C'est effectivement une société anonyme, mais avec 100% de capital public. Merci. Stéphanie Fleury-Dutour. Oui, juste une remarque très pratique pour un secteur que je connais bien, le secteur de la pharmacie. On a été contactés, nous, il y a 2 ans, pour ce portage par la Poste, mais vu les difficultés des pharmacies, notamment en secteur rural, et c'est là, à mon avis, qu'il y aurait besoin d'aller porter des médicaments aux personnes les plus isolées, etc., moi, je m'interroge vraiment sur le nombre des pharmacies qui vont conventionner, parce que pour un portage, le pharmacien doit payer 5 euros pour le portage de son ordonnance. Donc, moi, je ne sais pas quel est... Peut-être ce sera très différent, mais si vous voulez, ce n'est pas tenable financièrement. On va demander à la Sécurité sociale qu'elle rembourse. Eh bien, c'est presque à voir avec la Sécu. C'est pareil qu'un déplacement d'infirmière ou de médecin. Ça me semble un peu curieux, mais on verra au bout d'un an d'expérience. Merci. Alors, simplement, parce qu'il faut qu'on passe au vote, dans cette affaire, plusieurs l'ont relevé, et je rejoins ce qu'a dit Jackie Grand, il y a aujourd'hui un turnover chez les facteurs qui est problématique, et certaines fois, le courrier n'est pas distribué tous les jours, moi-même, en tant qu'usager de la Poste, si vous voulez. Donc, je pense que c'est un message qu'il faut que l'on repasse, et pour l'occasion de voir le président de la Poste, je vais lui en parler en disant attention, parce que cette méthode-là va freiner des activités supplémentaires que pourrait avoir la Poste. La Poste, aujourd'hui, tout le monde râle quand on ferme une poste, mais il faut aussi, ou vous qui fermez un service, il faut aussi qu'on leur apporte du chiffre d'affaires, si je puis dire, mais il y a des conditions. Alors, on est sur une phase expérimentale, ça a été dit par les uns et par les autres, par Alexandre Pourchon et Laurent Dumas. Je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant dans cette phase expérimentale et justement que ce soit l'occasion pour nous de dire il faut qu'il y ait des personnels qui, comment dire, soient moins dans le turnover qu'on nous fournit actuellement. Voilà, je crois qu'il faut qu'on soit très attentif là-dessus et dans l'évaluation que l'on fera, évidemment, aussi. Mais encore une fois, on ne peut pas se rouler par terre en disant la poste ferme et ne pas apporter du volume d'activité à la Poste. Alors, Bertrand Barrault, et puis je pensais conclure habituellement. Allez-y. Oh, non, désolé. Je voulais juste apporter un témoignage complémentaire, puisque dans le cadre de Cœur de Ville, on fait faire aussi une enquête actuellement par la Poste, avec des facteurs qui vont directement dans les familles et qui prennent le temps pendant une demi-heure de faire une enquête sur le mode de vie, de consommation à Issoire. Et je dois dire que les facteurs se sont d'une façon vraiment exceptionnellement adaptés justement à cette nouvelle fonction. Et je crois que vous avez raison, Monsieur le Président, de dire que si on veut aussi la survie de la Poste sur tous les territoires, il faut aussi leur proposer maintenant d'autres types d'activités. Ah oui. Parce qu'on sait bien que l'activité classique, malheureusement, va en diminuant.
Merci. Alors, je vous propose de voter. Abstention. Alors, la totalité du groupe ? Non. Alors, attendez, on va compter les abstentions. Abstention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon ? Ah, mais je ne vois pas avec le contre-jour. 11, excusez-moi. 11. Vote contre. 3. Le rapport est adopté. Je vous remercie. Je vous propose que nous arrêtions là nos rapports, puisque les présidents des EPCI sont arrivés. Je vais donc leur demander de nous rejoindre et, si possible, de rester, si vous voulez bien, pour honorer nos collègues. Ce n'est pas en partant qu'on honore des collègues avec lesquels on va signer un contrat. Nous allons signer les contrats de développement. Bien, je vais demander au président des EPCI de nous rejoindre à la tribune. Ah, pardon, tu veux bien ? Nous avons, chers collègues, un peu de silence, s'il vous plaît. Jean-Paul Baquet qui est arrivé, Gérard Guillaume qui est arrivé, Jean-Marie Mouchard également, Alain Mercier aussi, Frédéric Bonichon, il arrive, et Florent Monneron qui est là. Bien, mes chers collègues, si vous voulez vous installer, des signataires. Oui, peut-être vous préférez pour la photo, ça passe. Voilà. On va voir. Bien, est-ce que tout le monde est en place ? Monsieur le Président, très bien, oui. Monsieur le Président, avec mes excuses, j'étais coincé dans les parties. On a trouvé une date. Hein. Oui. Bien. Ça va ? Quoi es-tu ? Et toi ?
se prend au jeu. Oui. Ça va, toi ? Tu comprends la notion ? Bien. Oui. J'en ai eu pour l'après-midi. Si vous voulez vous installer. J'avais donc une photo uniquement avec les présidents de la communauté de communes. On ferait ça sur la terrasse. Ah, ils veulent le faire sur la terrasse. Et après, un pot des salons verbaux, mais tout le monde n'est pas invité. Il y a quelques présidents. D'accord. Bien. Bien. Parfait. Bien. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, si vous voulez prendre place, nous avons voté ce matin les contrats territoriaux de développement durable que nous allons signer maintenant. Donc je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue au président des différents établissements publics de coopération intercommunale, dans lequel on retrouve des communautés d'agglomération et des communautés de communes. C'est l'occasion pour moi de dire deux mots, après je passerai la parole à Pierrette, pour dire que le conseil départemental, depuis pas mal d'années, est aux côtés des communes à travers le fonds d'intervention communale, des communautés, des intercommunalités d'une manière générale, dans le financement de leurs investissements que nous accompagnons, et ceci malgré les évolutions législatives qui n'ont pas toujours été un peu dans ce sens, plutôt dans ce sens-là. Il y a eu des baisses de dotation. Enfin, on n'est pas là pour faire un mur de lamentation. Nous sommes là pour accompagner des projets. Donc, à un moment où beaucoup de départements, je voulais le souligner, ont stoppé leurs aides en faveur du développement local, le département du Puy-de-Dôme continue d'avoir une politique volontariste en la matière, en consacrant 50 millions chaque année au développement des territoires à travers ces différentes politiques, que sont le tourisme, la culture, l'agriculture, l'habitat, etc., on pourrait en citer d'autres, et plus particulièrement 16,5 millions par an pour les contrats territoriaux de développement durable et le fonds d'intervention communal. Chaque année, et ce sont des chiffres intéressants, ce sont 400 projets communaux qui sont accompagnés financièrement par le département et une quarantaine de projets intercommunaux. Donc il s'agit là d'affirmer certaines valeurs fortes portées par le département, que sont la solidarité et la préservation des spécificités de chacun de nos territoires, tout en assurant leur développement dans un souci d'équité, notamment par l'introduction de critères de péréquation avec le fameux coefficient de solidarité. Aujourd'hui, si je peux continuer, vous avez une place, monsieur Muller. Vous seriez mieux, vous savez. C'est mauvais pour la colonne vertébrale. Donc aujourd'hui, le département est le premier acteur des solidarités humaines et territoriales. Il est la collectivité de proximité, on le disait ce matin, pertinente et opérationnelle. Alors, à travers des concours financiers, à travers l'ingénierie territoriale également. Et au fond, nous ne sommes pas dans la situation, nous ne sommes plus, ce qui a pu être le cas dans le passé, là, comme un distributeur de fonds, mais comme un accompagnateur de projets pour les territoires. Alors, il faut que nous soyons attentifs à des territoires qui sont moins riches, mais il faut aussi que nous soyons attentifs aux territoires qui ont des projets. Et c'est dans cet esprit-là que nous allons signer ces contrats. Je vais donner la parole à Pierre Attré, puis chacun des présidents pourra ensuite s'exprimer. Merci, Président. Effectivement, la nouvelle génération de CTDD a été impactée, je dirais, par l'évolution des périmètres des communautés de communes. Il convenait donc pour la construction de ces nouveaux contrats de rechercher une meilleure cohérence avec nos autres politiques départementales et d'avoir une présence accrue auprès des territoires et d'optimiser les financements. Alors, en ce qui concerne la philosophie générale des contrats territoriaux de développement durable, l'objectif était de construire des CTDD plus ciblés, croisant à la fois les enjeux des politiques départementales et les besoins et les spécificités des territoires. Ces contrats deviennent de véritables documents de programmation entre le département et les intercommunalités, retraçant ainsi l'ensemble de leurs relations financières, de prospectives et de mutualisation.
Il fonctionne donc avec des volets thématiques, chaque volet étant ou non activé selon les enjeux et les priorités du territoire, déclinés en actions territorialisées. Sur la méthode employée, le département a exprimé début 2018 pour chaque volet les enjeux et apports possibles de son côté. Actions mutualisées, ingénierie technique et financière, portage en direct des projets. Le territoire a aussi explicité lui-même ses priorités thématiques et ses projets, ainsi que son plan pluriannuel d'investissement des projets. Le contrat donc est venu formaliser un plan d'action réaliste en termes financiers, en termes de soutenabilité et en termes aussi de calendrier. Et ce contrat donc est partagé. Le contrat comporte une double temporalité, une temporalité opérationnelle basée sur des actions inscrites dans le contrat et une temporalité aussi, c'est important, prospective en vue de préparer le contrat suivant. En ce qui concerne le contenu du contrat, trois types d'interventions sont inscrites dans le contrat. Tout d'abord, les actions en maîtrise d'ouvrage direct sont ainsi rappelées dans le contrat toutes les interventions du département en maîtrise d'ouvrage direct sur les 3 ans du contrat à venir, les routes, les collèges, l'UNESCO, le numérique. Les projets, deuxième type d'intervention, les projets que propose de conduire l'intercommunalité et pour lesquels le département apporte son financement jusqu'à 30%. Et enfin, les actions, réflexions et chantiers divers sur lesquels le département et l'intercommunalité se proposent de travailler ensemble pour plus d'efficacité et de cohérence. À ce jour, donc, 6 contrats ont été votés, les présidents sont présents, le CTT Aglo-Pays d'Issoire, Dôme-Sancy-Artense, Rion-Limagne et Volcan, Entre-Dor et Allier, Combrailles-Sioux-les-Morges et Billon-Communauté. Les 7 autres sont en cours de finalisation et feront l'objet d'une signature à l'automne. Il y en a déjà qui sont pratiquement prêts et que l'on passera en septembre. Je ne saurais terminer, Président, sans remercier les services du Conseil départemental pour qui on a demandé un gros effort, et je dirais tous les services, parce qu'il y a eu une transversalité entre les services. On a croisé tous les services pour connaître les projets sur tous les territoires. Et je trouve que cela s'est très bien passé. Il y a eu un investissement de nos agents formidable. Et je tiens ici à les saluer, et notamment ceux qui étaient en charge directement des CTDD. Et je remercie aussi tous les services des intercos et ainsi que leurs élus, puisqu'il y a eu un travail de fond important qui a duré plus d'une année, où il y a eu des rencontres régulières. Nous n'avons pas fait, enfin, pour ma part, je n'ai pas fait encore, il me reste 3, je crois, interco à voir, mais il y a eu de nombreuses rencontres avec les services, et cela a été un travail très, très constructif. Nous ne travaillons plus sous forme de guichet, comme notre président vient de le rappeler, et je crois que c'est une nouvelle façon de travailler, très intéressante pour tout le monde. Je vous remercie. Merci, Pierrette. Je vais maintenant passer la parole à chacun des présidents de l'intercommunalité qui nous disent en quelques mots ce qu'ils souhaitent exprimer à l'occasion de cette signature. Alors, je commence, j'ai un ordre qui m'est indiqué par Jean-Paul Becquet, président d'Aglo Pays d'Issoire. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que l'Aglo Pays d'Issoire, c'est 88 communes, 27 000 habitants. Et que nous avons le plaisir, je dois le dire aujourd'hui, de contractualiser avec le département. Nous le faisons alors que la clause de compétence générale a disparu pour les régions et pour les départements. Nous le faisons avec les communes dans le cadre du FIC, vous l'avez dit. Et nous avons le plaisir de voir que les communautés de communes ou d'agglos sont reconnues comme telles avec une contractualisation qui se fait avec le département. Pour ce qui nous concerne, c'est financièrement 1 289 250 euros, c'est-à-dire un programme de travaux 30% de 4 500 000, ce qui est loin d'être négligeable. Et c'est le développement
de 16 actions sur 4 grands thèmes. Premier grand thème, c'est l'accès pour la population à des services. C'est très à la mode, les maisons de services publics, ce que l'État appellerait maintenant France Service ou Service France, je ne me rappelle plus exactement. C'est le développement, la modernisation de nos pôles d'enfance-jeunesse. C'est le développement des activités sportives. Il y en a un grand besoin dans nos communes, soit parce qu'elles sont inexistantes, soit parce qu'elles sont vieillissantes. Et puis, la prise en compte de l'environnement. Alors, je ne vais pas détailler les 16 actions, sauf si vous y tenez, mais je tiens à dire que nous couvrons les 4 grands thèmes qui sont à développer et que nous aurons plaisir à les conduire, puisque ce sont des projets qu'il faut conduire jusqu'au bout. Merci. Merci à Jean-Paul Becquet. C'est le tour de Gérard Guillaume, Billon Communauté. Bien, merci Monsieur le Président. Billon Communauté ne peut que se réjouir effectivement des actions que vous menez auprès de nos communes, mais aussi auprès de nos EPCI. Quand vous nous avez demandé de contractualiser sur des actions différentes qui étaient non pas un guichet, vous l'avez dit, mais effectivement des actions bien ciblées, notre territoire a décidé de travailler dans toute la possibilité de l'éventail que vous nous fournissez. Ça va du PCAET, et je pense qu'aujourd'hui on est complètement dans l'action avec le plan canicule qui est en train de se mettre en place, aussi l'acquisition d'un véhicule électrique, mais c'est aussi des actions auprès de la jeunesse avec des travaux importants sur la réhabilitation du multi-accueil qui est situé à Vertaison pour pratiquement 160 000 euros. Et puis, comme on a un peu tendance à me reprocher d'avoir un peu trop les pieds sur terre, nous allons faire dans du virtuel. Et comme nous sommes labellisés Pays d'art et d'histoire, nous allons organiser, grâce à vous, Monsieur le Président, et grâce à votre département, pouvoir mettre en place ces visites virtuelles dans tout le territoire où, effectivement, nous avons ces actions à mener sur le Moyen-Âge et l'histoire de notre pays. Voilà, je vous remercie encore. Et j'ai oublié de vous dire quand même, c'est quand même pratiquement 700 000 euros de réalisations qui sont accompagnées à hauteur de 200 000 euros de subventions. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Merci, Gérard Guillaume. Je donne la parole maintenant à Jean-Marie Mouchard, président de Combrailles, Soule et Morges. Merci, Monsieur le Président. Donc, Combrailles, Soule et Morges, une communauté de communes des Combrailles faisant partie du SMAD, donc des trois EPCI, et donc en bordure, trois territoires plutôt marqués. Un qui borde le secteur de Combronde et qui borde Rion, Limagne, Volcan, avec toutes les communes périphériques à l'agglo de Rion. Puis le secteur de Saint-Georges-des-Ancises, anciennement territoire de Mans à Communauté, dans sa centralité. Et une partie du pays de Mena, donc des communes en bordure de Sioule, ce qui fait donc un territoire communautaire très contrasté, très diversifié, et qui, à n'en pas douter, apporte une richesse indéniable à ceux qui vivent sur ce territoire. Alors, Monsieur le Président, donc, c'est 4 500 000 euros que nous comptons investir dans ce prochain CTDD et qui est centré principalement sur les questions de service à la personne, notamment sur l'enfance-jeunesse, qui est un petit peu notre fleuron, notre vitrine, et on se fait fort d'accueillir 1 600 enfants globalement tous les ans sur nos activités enfance-jeunesse. Donc cette réflexion-là a été engagée au cours de 2018 avec une étude finement menée et qui nous conduit vers la réflexion et la décision de 3 pôles concernant l'enfance-jeunesse qui effectivement donc, se répartissent sur le territoire. Et puis l'extension, comme on a donc une démographie qui est en augmentation, donc des enfants et des jeunes couples qui viennent vivre chez nous. Donc on renforce donc l'intérêt d'avoir des accueils pour la très petite enfance, toujours dans les services à la personne. Restauration collective, on est dans une démarche depuis le 1er janvier 2019 de la restauration collective qui porte sur l'ensemble des 23 écoles présentes sur le territoire, dont quelques-unes en RPI, et puis le service à la personne ainsi que la fourniture des repas des EHPAD de qualité avec une forte imprégnation de produits issus de l'agriculture biologique, chose à laquelle on participe notamment avec vous sur son développement.
Voilà. Puis, on est donc aussi sur la question de la transition énergétique, avec le contrat de performance énergétique sur notre bassin aquatique de Saint-Georges-de-Mons, où depuis l'été 2018, on a donc engagé une réflexion sur la maîtrise de l'énergie. Puis, on sera aussi sur, toujours dans les services à la personne, sur un schéma des équipements sportifs, puisqu'on a ici et là des gymnases, tant sur les Ancises que sur Combronde et ailleurs, sur Menat, et on souhaite donc restructurer ça et réfléchir ensemble à ce qu'il y a de mieux pour nos populations. En tout cas, merci Monsieur le Président de ce concours, sans qui ce ne serait vraiment pas facile d'aboutir à ces projets-là. Merci beaucoup. Donc je vais donner la parole maintenant à Alain Mercier, président de Dôme Sancy-Artense. Merci Monsieur le Président. Donc Dôme Sancy-Artense, c'est l'une des plus petites communautés de communes de notre département. C'est 12 500 habitants, mais très vaste par son étendue, puisque nous partons des limites de la métropole. Et on va, je dirais, à la limite même d'une autre région avec le barrage de Bord. Et on a aussi une partie non négligeable du massif du Sancy. C'est un territoire où, je sais qu'il vous est très cher, au niveau, je pense, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est l'une des communautés de communes qui a la plus grande superficie inscrite au niveau UNESCO, donc avec cette partie chaîne des puits. Le développement de ce territoire, les deux piliers de développement au niveau communauté de communes, c'est toute la partie agriculture et tourisme, ces deux piliers importants. Nous devons être la communauté de communes qui a le plus d'exploitations agricoles. Il y a encore plus de 800 exploitations agricoles sur ce territoire, d'où l'importance donc de l'agriculture. Ensuite, il n'y a pas sur ce territoire de communes très importantes, puisque la commune qui a le plus de population, c'est la commune de Saint-Sauve avec 1150 habitants. Et par contre, on a une répartition géographique très, je dirais, équilibrée de la population sur ce territoire. D'où les actions qui sont mises en place au niveau de la communauté de communes. L'objectif, c'est apporter, je dirais, à cette population des équipements en commun. Donc, on a, au niveau de votre contrat, donc, on a prévu, il y a 1 522 000 euros d'investissement et vous allez nous apporter votre soutien à hauteur de 364 000 euros. Donc, principalement pour conforter nos équipements intercommunaux au niveau sportif. Et la deuxième partie donc, de l'enveloppe est consacrée à toute la partie apport aussi de tout ce qui est aide à domicile pour nos personnes âgées. Donc on a tout ce qui est prévu, donc une mise en place de la télégestion, puisque malheureusement une partie de ce territoire est aussi vieillissant. Et dans notre compétence, on a toute la partie aide à domicile, portage des repas. On a également conforté au niveau de nos écoles toute la partie équipement numérique. Et ensuite, il y a tout un volet au niveau de l'acquisition de matériel pour nos associations, qu'elles soient culturelles ou sportives. Voilà, c'est la portée, je dirais, du service à cette population. Donc, on vous remercie pour cette aide qui vient en complément de d'autres contrats, puisqu'on complète avec des aides, puisqu'on contractualise aussi avec d'autres collectivités au niveau de la région, qui nous apportent 507 000 euros sur ces mêmes, je dirais, investissements, et l'État qui nous apporte un concours de 263 000 euros. Et je remercie les services du département sur ce que j'ai considéré donc très appréciable dans la mise en place donc de ces nouveaux contrats, c'est la souplesse que vous avez apportée, puisque le curseur, on n'a pas un niveau précis, je dirais, de montant. On essaye de caler suivant les investissements et les autres financeurs. Et c'est vrai que ça nous permet donc d'avoir des financements non négligeables pour financer ces investissements. Merci. Merci. Alors maintenant, je donne la parole à Frédéric Bonichon, pour président de Rion, Limagne et Volcan. Monsieur le Président, merci. Merci de votre accueil. Si vous permettez un mot d'actualité, j'aurais félicité les élus d'Issoire d'avoir ramené, et notamment son maire, le bouclier en territoire Puy-d'Aumois. Et ça nous fait à tous chaud au cœur. Je veux vous remercier d'abord, Monsieur le Président, puis remercier les conseillers départementaux du territoire, Stéphanie Fleury-Dutour, Jean-Philippe Perret, Anne-Marie Maltré, Lionel Chauvin, Catherine Cuzin, Claude Boilon, qui sont nos interlocuteurs de proximité, indépendamment de vous, pour
porter la parole des 31 communes et des 68 000 habitants de notre agglomération qui s'est évidemment construite récemment à l'issue d'une fusion, nous aussi, de trois territoires, Volvic-sur-Ses-Volcans, Orion-Communauté et Limagne-Denza. La plus petite commune, c'est Pulvérière, où nous étions hier 1000 mètres d'altitude en vue de la chaîne des Puits pour prendre le relais de la gestion de l'étang grand, qui était une compétence communale et qui est maintenant intercommunale, et sur lequel nous avons des actions en commun avec évidemment le département. Et puis la plus grande, c'est évidemment Rion, l'ancienne capitale judiciaire d'Auvergne, mais qui l'est toujours. Le document que vous nous amenez à signer reprend les axes de travail du département, et c'est important de les rappeler sur les territoires, les collèges, les routes, le numérique. Nous nous voyons avec Dominique Giron sur la régie numérique, l'UNESCO, la Voie verte, avec Serge Pichot aussi. Nous suivons ces dossiers-là, plus d'ailleurs avec ma casquette régionale que la casquette EPCI. On a fait le choix de travailler avec vos services dans quatre domaines, même si nous aurions aimé le domaine économique. On en avait parlé, Monsieur le Président. On a fait le choix. La loi NOTRe est là. Comment ? La loi NOTRe est là. La loi NOTRe est là. On a fait le choix de travailler sur la perspective d'un foyer de jeunes travailleurs sur notre territoire pour accompagner les mutations du travail et un équipement dont la grande métropole clermontoise a besoin au nord de Clermont-Ferrand et probablement sur la ville de Rion. Mais on travaille aussi sur l'idée d'un foyer de jeunes travailleurs éclaté. Deuxième axe, les écoles d'art municipales de Rion qui sont implantées dans le cadre des jardins de la culture dont deux des éléments sont déjà ouverts. La médiathèque et le cinéma sont déjà ouverts. Les écoles d'art sont ouvertes en fin d'année. Troisième axe, les équipements sportifs avec le besoin d'agrandir la piscine de Rion. Donc on est à ce stade sur l'étude de faisabilité de l'agrandissement pour éviter de financer une autre piscine sur le territoire. Il paraît plus pertinent d'agrandir celle qui existe de manière à accueillir l'ensemble des scolaires, collégiens notamment, mais aussi enfants des écoles. Et puis la petite enfance à Rion et à Volvic pour accompagner le développement de la population de notre territoire. Si on regarde les perspectives de l'INSEE, l'agglo de Rion, Limagne et Volcan pourrait gagner 15 000 habitants d'ici 2050, ce qui nous interroge aussi sur les sujets de circulation. On a travaillé avec vous et avec vos services, Monsieur le Président, pour améliorer les flux de circulation dans la grande agglomération riomoise pour éviter une thrombose dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est un des enjeux, c'est une des conséquences du développement, mais on prend les aspects positifs du développement pour essayer de mieux les gérer. En tout cas, au nom des 31 maires, je vous remercie de ce contrat et du partenariat que nous bâtissons et que nous allons signer tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais donner la parole, d'ailleurs, à un de nos collègues conseiller départemental, maintenant, président Entre-Deux et Allier, Florent Monneron. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues présidents des EPCI, les cinq personnes qui sont autour de moi, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les chers collègues conseillers départementaux. Alors, la communauté de communes que je préside depuis 2014 est composée de 14 communes, presque 20 000 habitants aujourd'hui. On gagne sur ce territoire près d'un habitant par jour, donc nous serons au seuil des 20 000 dans les quelques années qui viennent. On a la chance d'avoir un territoire qui est situé entre eux et aux portes de Clermont, puisque nous sommes à quelques dizaines de minutes de par l'échangeur de Lezoux, et puis de l'autre côté, en bordure du territoire tiernois. Donc une forte attractivité et un accueil des populations toujours plus important chaque année. Alors la priorité des 14 maires et de l'exécutif intercommunal, c'est de préparer et d'accompagner encore mieux les nouveaux arrivants. Et notre priorité, c'est l'enfance et la jeunesse, avec une étude qui a été inscrite dans le contrat pour harmoniser et pour un petit peu offrir à tous les enfants de notre territoire une même offre homogène. Deuxième domaine important, même si ce n'est pas dans le CDDD, M. Bonichon en a parlé, c'est le développement économique, mais pour nous, c'est important également sur un territoire qui n'a pas d'histoire au niveau de l'économie, et donc tout notre souci, c'est de développer et attirer dans notre nouveau parc d'activités le plus d'entreprises possible. Nous allons traiter également de l'accueil au public avec la création d'une MSAP. Ça devient une priorité absolue au fur et à mesure que les années passent, puisque
on se rend bien compte que les populations, notamment les plus fragiles, ont de plus en plus de mal avec la fracture numérique à accéder à un même niveau de service public que nos concitoyens qui ont plus l'habitude de ces moyens nouveaux. Donc on l'a inscrit également dans le contrat. Suivre les actions du PLH, la question de la mobilité avec le covoiturage également, et puis être aux côtés du département pour l'aménagement de la voie verte. Il a été évoqué aussi le plan climat-énergie, puisque même si on n'a pas d'obligation, puisqu'on est en dessous des 20 000 habitants, mais nous préparons, puisque nous allons y arriver bientôt, ce plan climat qui va démarrer dans son étude. Je voudrais, comme mes collègues présidents, saluer aussi la méthode de travail qui a été extrêmement coopérative de la part des services du département et par rapport à vous, Madame la vice-présidente, qui êtes venue nous voir il y a quelques mois, pour que ce contrat ne se construise pas que dans un sens, mais que ça soit bien une construction dans les deux sens, pour que ce contrat assez souple, effectivement, puisse coller au mieux à la demande des élus intercommunaux et à la demande du département, puisque je rappellerai que sur notre territoire, il y a le musée départemental de la céramique, il y a le collège aussi, le rôle du contrat est bien d'harmoniser, éviter les doublons, et puis que le rôle de chacun soit précisé pour que l'action publique, en tout cas, soit la plus efficace possible. Pour vous dire aussi que nous n'avons pas fusionné lors du dernier schéma départemental, on est une des seules Comcom à ne pas avoir fusionné, mais que la vitesse et la fréquence permanente, presque quotidienne, des évolutions législatives rendent la gestion de nos territoires, et encore plus pour ceux qui ont fusionné, extrêmement compliquée, et qu'on a absolument besoin du département, de la région aussi bien sûr, mais du département pour nous aider, pour faire évoluer nos politiques publiques. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Vice-Présidente, je vous remercie encore une fois de plus de la méthode et de la visibilité que vous nous apportez dans le cadre de la signature de ce contrat. Merci à vous. Merci à vous tous, messieurs les présidents. Je crois que tout ça est le résultat, ça a été dit par certains, d'un travail entre les services respectifs des communautés et du département, entre les élus aussi. Et je voudrais vous remercier chacun dans votre rôle et remercier Pierrette Defixeray, qui a cette responsabilité maintenant depuis plusieurs années, qui a donné l'impulsion nécessaire pour faire progresser, introduire la souplesse que vous évoquiez. Au fond, tout ceci s'est fait dans le dialogue, l'échange, la co-construction, d'une certaine manière, ce qui est le témoignage d'un véritable partenariat entre des établissements publics de coopération intercommunale et le département, qui est toujours présent. Je le disais ce matin dans le discours d'ouverture, nous travaillons sur le terrain, loin des cénacles politiques et des derniers salons où l'on cause, parce que nous sommes confrontés à des réalités, et c'est ce qui compte après tout, et c'est ce qui doit tous nous rassembler. Alors je vous propose maintenant que nous passions à la signature. Alors, pendant que nos amis signent, je vous donne une information. D'abord, pour les présidents de PCI, nous allons nous retrouver sur la terrasse du 6e étage pour une photo. Pour mes collègues conseillers départementaux, je vous propose que nous reprenions à 14h. Est-ce que ça vous convient? Il n'y a pas d'objection? Donc, nous reprenons à 14h la session.